So we'll have obviously a first round. And then they'll be jumping. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus en direct sur Eurosport 2, en direct de ce merveilleux bâtiment, le Grand Palais de Paris et sa gigantesque verrière, construite à l'occasion bien sûr de l'exposition universelle de 1900. Nous sommes avec vous pour deux très belles heures, je l'espère, à l'occasion de cette 7e édition du Saut Hermès, une 7e édition que l'on aura le plaisir, l'honneur et l'avantage, cette circonstance, de vivre avec Michel Robert. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, chaudement. Oui, non, ça va, c'est vrai que sa température s'est un peu refroidie aujourd'hui, mais ça va très bien sous cette verrière qui est magnifique. C'est vrai que l'ambiance est bonne, le public est là, tout public de connaisseurs et de non-connaisseurs aussi, bien sûr, comme à la télévision. Exactement, hein. On essaiera de faire plaisir et de satisfaire tout le monde, ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent un petit peu moins bien. Avant cela, pour vous présenter cette épreuve, je propose d'écouter l'une des directrices de la société. Nous sommes très fiers d'avoir vu au cours de ces 6 dernières années, en tout cas, la légitimité sportive de cet événement se construire. Les meilleurs cavaliers mondiaux l'inscrivent dans leurs agendas d'une année sur l'autre. Le public parisien, les cavaliers amateurs, tout autant que les cavaliers professionnels, se pressent pour célébrer le cheval avec nous dans ce lieu extraordinaire. Je crois que la particularité du concours en tant que tel, du concours sportif, qui est donc un concours indoor, mais avec la lumière de l'outdoor, la complication d'ombre également qui ne facilite pas la tâche ni aux cavaliers ni aux chevaux font de cette compétition lui donne en tout cas un angle particulier. Voilà, en tous les cas, pour les propos d'Anne Sarapanhar. Et puis, notons quand même que 41 cavaliers sont présents, représentant 17 nationalités. 6 membres du top 10 sont là, 13 du top 20. Bref, on a les meilleurs, à l'exception de quelques Américains qui avaient un petit peu plus de mal à se déplacer dès à présent, Michel. Oui, tout à fait. Un beau plateau, très bons cavaliers qui sont fidèles à ce concours. Pour la 7e année, ce concours maintenant, le temps passe vite, c'est vrai ce qu'on a l'impression, mais toujours aussi beau, toujours avec des nouvelles choses, des nouveautés par la maison Hermès qui tient bien ce concours de très haut niveau, je vais dire. Alors aujourd'hui, on va assister à une épreuve par équipe, ça c'est un petit peu inhabituel naturellement en saut d'obstacle, ce sera une compétition mixte avec un couple homme-femme, vous savez qu'en équitation, hein, tout le monde fait le même sport, le pratique dans la même catégorie. Néanmoins ici, parce que Hermès est en même une marque glamour, eh bien, on a voulu jouer un peu cette dualité et le couple. Et donc on aura 10 couples différents qui participeront aux deux manches. Hein, il faut le préciser, les 10 couples voilà. Seront qualifiés également pour la deuxième manche. Tout à fait. Et puis la deuxième manche sera au chronomètre. Donc la première manche, on va y chercher bien sûr d'être sans faute, que les obstacles soient sautés sans faute dans chacun des coéquipiers. Et puis ensuite, la deuxième manche va déterminer au chronomètre l'équipe qui va gagner et le classement suivant aussi. Les équipes ont été, les cavaliers ont été tirés au sort hier au soir et ont été qualifiés sur une épreuve aussi d'hier après-midi. Donc c'est une épreuve vraiment sérieuse et puis nous avons la chance d'avoir... Alors justement Michel, vous avez d'ores et déjà reconnu à pied ce parcours, je vous propose de le faire découvrir à nos téléspectateurs. Voilà, ici devant la porte à gauche on va voir ce vertical jaune qui est très joli, un obstacle Hermès. C'est une mise en route, ensuite ce vertical bleu à main gauche, suivi d'un Auxerre qui est un tout petit peu caché en bout de ligne comme ça, qui est assez large, très carré, 1m50 de haut. Sortie de tournant, on va avoir le triple directement avec un Auxerre, chose assez rare, on aura deux foulées pour aller sur ce vertical assez haut et encore deux foulées pour ce vertical là, donc succession de verticaux. Ici encore de tournant devant la porte et avec un angle très particulier pour cette fois, cet Auxerre jaune ici, suivi d'un autre vertical à 6 ou 7 foulées, vertical bleu et blanc. Une ligne droite mais qui prépare le mur et en baisse qui est très gros en biais, assez difficile à négocier parce qu'il est aussi très haut. Ici un Auxerre et pour finir le vertical qui est certainement le plus haut du parcours, très léger en bas, un visuel très particulier quand on vient en face et qui est vraiment assez haut, qui pourra donner beaucoup de fautes aussi. Alors voilà pour la découverte de ce parcours, tout de suite une très courte pause et puis on se retrouve bien sûr pour le tout premier cavalier. Nous sommes partis pour pratiquement 2 heures de beau spectacle. À main gauche, comme le disait Michel, avec cette trajectoire toujours délicate de l'enchaînement donc 3 et 4. L'Auxerre est sous par planche, virage à droite pour justement avoir le maximum de confort pour la combinaison. C'est numéro 6, on en sur un Auxerre. C'est parti là, c'est parti. Vertical, et à nouveau un vertical en sortie de cette combinaison. Souffle un peu
très étroit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Pénélope? Elle partait, elle avait autre chose à faire. J'ai insisté. J'ai payé un café, un thé là tout à l'heure. Moi, je voulais bien lui en offrir un autre après. Mais oui. Mais ça n'a pas suffi. Michel, et encore une fois, quelques petits accès, comme justement la trajectoire pour aller sur l'Auxerre, quasi finale numéro 9. C'est dingue. Hein. Sans plus attendre, oui. Le premier clou. Ça, pour ça, elle a des grandes, beaucoup de qualités, mais pas celle-ci. Je sais. Mais... Ouais. Attention, on est bien de retour. Je disais, ils sont nombreux. 10 secondes. On est parti donc pour de la belle compétition, du très beau sport. C'est donc parti pour cette 7e édition du saut Hermès en compagnie de Michel Robert. Aujourd'hui, on va vivre cette épreuve par équipe mixte bien sûr. Une cavalière, un cavalier. La première équipe sera composée de Yannicka Sprunger, la Suissesse, la Baloise, qui est déjà entrée sous la grande verrière du Grand Palais. Et Simon Delestre, le numéro 1 mondial français depuis 15 jours. Numéro 1 mondial et il est français. On aura l'occasion, je l'espère d'ailleurs, d'avoir Simon de passage à notre micro tout à l'heure. Ça, c'est déjà un couple de favoris, Michel. Numéro 1 mondial, c'est vrai que c'est sur une liste de tous les concours depuis un an. Et les points sont pris en considération sur chaque grosse épreuve. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir un cavalier numéro 1 mondial, un français. Le parcours... Qui succède à Kevin Stott, hein, qui avait été le dernier cavalier français numéro 1 mondial en date. C'est voilà, parti pour Yannicka. Pour Yannicka, c'est ça, oui. Donc c'est une cavalière qui a vraiment beaucoup de tempérament, bien sûr. Là, on voit toujours cette difficulté à sortie de tournant. Les chevaux, s'ils ne sont pas vraiment parfaitement bien calés sur leurs quatre jambes, un tout petit peu en tournant en travers, on a un risque de faute. Cette faute d'antérieur qu'il vient de faire. Et là, on a vu les deux foulées courtes pour ce vertical et encore deux foulées très courtes pour ce vertical de sortie. Ça, c'est le triple, combinaison rapprochée. Triple, ça veut dire trois obstacles de suite. Ensuite, c'est cet Auxerre qui va pouvoir être délicat à monter, en tout cas est bien anticipé pour les cavaliers. Ce vertical en travers encore et ce mur qui est très en travers. Sortie tournant, on a peut-être une foulée ou deux foulées pour venir sauter. Six foulées pour cet Auxerre et très vite un vertical qui est assez gros ici. Voilà. Malheureusement, les postérieurs ont emmené l'avant-dernière difficulté également. Ça fait 8 points. 8 points pour Yannicka Sprunger. On espère maintenant naturellement que Simon Delestre, lui, va parvenir à réussir le parcours sans faute pour ne pas aggraver le score de cette première équipe. Yannicka Sprunger qui était ici sur Uptown Boy. Elle nous montre la difficulté du parcours. Ça c'est numéro 1, donc c'est un obstacle de mise en route qui est un tout petit peu montant. L'Auxerre, on voit la deuxième barre de l'Auxerre, c'est-à-dire que cet obstacle est large, qui est à deux plans. Là, elle est arrivée vraiment avec un... On voit le cheval qui fait une faute d'antérieur sur cet obstacle qu'on a vu au ralenti. Voilà. Alors vous disiez, elle nous montre d'ores et déjà la difficulté du parcours, Michel. Oui. Mais c'est vrai qu'en s'élançant avec le dossard numéro 1, c'est également la position la plus difficile, la plus ingrate. Hein. Très peu d'informations, à part celle que son cheval aujourd'hui il est comme ça. Que, voilà, et il faut tenir compte aussi du caractère du cheval, de la forme du jour du cavalier, du cheval, physique, mental. Et c'est parti maintenant pour Simon Delestre, notre numéro 1 mondial. Il est là, le Messin, avec Chezal Zimquest, un cheval qui appartient à M. Zimmermann. C'est un cheval Holstein, c'est un fils de Casal, hein, le cheval qui était monté par Rolf Grant-Bengtsson. Voilà. Merci. Un cheval très respectueux, toujours un tout petit peu timide dans la battue de départ comme ça, parce que justement c'est un cheval qui ne veut pas du tout toucher les obstacles. Mais Simon est obligé de vraiment travailler sur la confiance beaucoup. Mais le cheval a pris beaucoup d'expérience ces derniers temps. Donc c'est vrai que le cheval doit vraiment monter son corps au-dessus des obstacles et donc le cavalier doit pouvoir placer aussi les foulées du cheval, les foulées c'est la galopade du cheval, pouvoir placer dans une zone d'abord et prendre son point de départ dans une bonne distance de l'obstacle. Là il est parti pour nous faire un beau sans faute. Voilà, il est pas numéro 1 mondial pour rien. Ce sera fait, il honore déjà son titre de numéro 1 mondial actuel par ce parcours sans faute ici réussi devant le public parisien au Grand Palais. Simon Delestre qui remet un petit peu de son équipe à flot hein, avec ce parcours sans faute. Bien sûr, donc là on voit les deux types de parcours qu'on peut faire avec des fautes. A savoir que chaque faute compte 4 points, une barre qui est tombée compte 4 points pour ceux qui ne sont pas tout à fait initiés. On voit le cheval qui fait vraiment décomposer ses sauts.
J'aime beaucoup les ralentis parce qu'on voit justement les retours. Le cavalier, la vitesse à laquelle le cavalier se remet en place aux réceptions. Hein, on sait que le cheval projette le cavalier un peu en avant, donc il faut vite, très vite qu'il se remette à sa place à la réception de l'obstacle. Et avoir un cheval qui obéisse au doigt et à l'œil, j'allais vous dire. Voilà, on a accompagné jusqu'au bout le numéro 1 mondial, vainqueur cette année de la Coupe du Monde de Vérone et qualifié bien sûr pour la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacle qui aura lieu la semaine prochaine du côté de Göteborg. On aura l'occasion d'en reparler. La deuxième équipe qui s'élance, composée de la cavalière anglaise Laura Renwick et du cavalier allemand Daniel Deusser. C'est d'abord la 37e cavalière mondiale que l'on découvre. Laura qui est une cavalière qui gagne beaucoup, beaucoup d'épreuves de vitesse. Elle a aussi une fille qui a beaucoup, beaucoup de tempérament. Elle monte Bintang, qui est un Hongre de 10 ans, cheval néerlandais. C'est un cheval qu'elle fait beaucoup de grands prix 5 étoiles maintenant. On sait qu'il y a ces 5 catégories de grands prix qui correspondent aux 5 étoiles. Et là, elle attaque vraiment le haut niveau avec ce cheval-là, qui est aussi un cheval qui a envie de sauter sans faute, mais par contre, elle a un petit peu plus de mal à avoir du contrôle. Donc tous ces obstacles en travers un petit peu, c'est difficile à négocier, mais la cavalière est vraiment très forte. Dernière difficulté, elle est toujours sans faute aussi, Laura Renwick, et ça va le faire jusqu'au bout. Parcours sans faute pour Laura Renwick avec Bintang, qui met son équipe également dans de bonnes dispositions maintenant, parce que derrière, c'est Daniel Deusser, l'Allemand vainqueur de la finale de la Coupe du Monde l'an dernier, qui va y arriver, enfin il y a 2 ans pardon maintenant, qui va arriver... Gymnastique du cheval mais aussi du cavalier qui doit suivre ce saut, et c'est vraiment il y a une position à avoir pour justement suivre et gêner le moins possible le cheval pendant son saut, parce que si on le gêne, on risque de déjà le déranger et ensuite de créer une faute. Donc l'idée, c'est quand même de se faire un petit peu oublier sur le cheval et d'avoir le moins de présence de gêne possible pour lui. Allez, je vous le disais, nous sommes avec Daniel Deusser maintenant, et je ne sais pas s'il l'a fait exprès, si c'est un hommage à la mère de Paris, mais il monte ici aujourd'hui Hidalgo, un étalon belge de 9 ans, c'est un cheval encore relativement jeune, pour le cavalier allemand, ancien vainqueur, je vous le disais, de la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacle, et il est naturellement qualifié lui aussi pour celle qui aura lieu la semaine prochaine à Göteborg. Ils ont un temps imparti pour faire le parcours, qui est de 62 secondes, je crois que le temps est assez large. Donc le chef de piste qui a mis ce parcours, qui est Rothenberger, un chef de piste allemand, un des meilleurs du monde, et parce que placer ces obstacles, c'est pas toujours facile, et surtout il faut arriver à faire des fautes aux chevaux et aux cavaliers pour que bien sûr qu'on fasse la différence entre le premier et le deuxième, le troisième et le quatrième, etc. Pour et faire des fautes aux cavaliers, aux meilleurs cavaliers du monde, aux meilleurs chevaux du monde, sans jamais faire prendre de risques aussi au cheval. Exactement, hein, c'est sans que ça soit dangereux, difficulté. Sans que ça soit un scratch. Il faut que les chevaux puissent jouer, puissent avoir leur chance de sauter ces obstacles aussi. Et c'est des petites fautes, mais bon, une faute, c'est une faute. Et donc pour cela, on ne joue plus du tout aujourd'hui sur la hauteur, hein, des obstacles. Exactement, à une époque, moi, on mettait de plus en plus gros pour essayer de faire des fautes. Et alors, ça devait être de plus en plus, les auxerres de plus en plus larges, avec des obstacles de plus en plus fixes. Et alors là, ça devenait dangereux, parce qu'à une époque, alors que là, les obstacles sont de plus en plus légers, mais par contre, ça devient très, très, très fin, très technique, et ça, j'adore. Exactement, et c'est plutôt dans la composition du parcours que ça devient difficile. Il tord un tout petit peu comme ça, et cette symétrie n'a pas été respectée. Le cheval s'appuie plus d'un côté que de l'autre au moment de son décollage, et ça met le cheval un peu à se tordre et à risquer une faute. Allez, pour le moment, Daniel Deusser qui en a terminé avec 4 points de pénalité, hein, si je ne m'abuse. C'est ça, 4 points pour Daniel Deusser. Donc pour le moment, léger avantage à l'équipe Renwick Deusser par rapport à celle de Sprunger et de Lestre. Équipe suédoise. Troisième équipe, celle-là elle est 100% suédoise, vous faites bien de lire. Quoique, je vais dire qu'elle est à 75% suédoise, puisqu'elle est composée de Charlotte Mordasini, qui est une cavalière franco-suédoise, hein, papa français, maman suédoise. Une cavalière qui n'était pas très très loin de chez vous finalement, puisqu'elle était en Haute-Savoie. Elle a fait travailler depuis 2 ans maintenant, oui, c'est moi qui la suis, donc je suis très impatient de voir ce qu'elle va faire. Elle monte ici Tini Toon Semi. C'est une de ses premières apparitions dans ce haut niveau. Et c'est une cavalière que j'ai la chance de faire travailler, qui vraiment a fait des progrès fantastiques, et a des bons chevaux aussi. J'espère que ça va très bien se passer pour elle.
Elle a notamment pris la troisième place du Grand Prix de Falsterbo. Elle était quasiment à la maison. Hein. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui l'a fait être acceptée par le public suédois. Parce qu'elle habite à côté de Genève. Mais bon. Oui, mais maison, parce qu'elle est suédoise. Je le disais, à 50% suédoise. Il fallait qu'elle fasse une perf pour pouvoir rentrer un peu dans l'équipe suédoise. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle est là actuellement sur la liste pour les Jeux Olympiques. Le mur, voilà. Ça passe. C'est toujours sans faute. Hein. Oui, très bien. Un cheval de 9 ans qui est. Eh bien, la cavalière de Michel Robert, l'élève de Michel Robert, 27 ans, Charlotte Mordasini. Retenez bien ce nom parce que là, elle se débrouille très très bien très et elle réussit à marquer son bien sûr que pour elle, c'est important de réussir à ce niveau-là pour se faire remarquer. On voit les ralentis, un petit peu cette gymnastique du cheval et du cavalier pour remettre en place dès la réception, se retrouver à sa place, laisser le cheval très bien, très content pour elle. Ah bah je pense qu'elle doit l'être aussi satisfaite d'avoir réussi ses grands débuts au Grand Palais. Et en plus, elle a de se retrouver au tirage au sort avec un Suédois, elle avait une chance sur 10. Ouais. Enfin, sur 5 plutôt. Non, sur 10. Non, sur 10, ouais. Sur 10. Donc, pour l'équipe suédoise, je pense qu'elle est regardée aussi aujourd'hui de partout. Et ben voilà, et voilà son celui qui va la regarder de plus près, c'est certainement Henrik von Eckermann, son compatriote. Qui a plus de métier, qui a tout le métier, il travaille chez Baerbaum, bien sûr. Un charmant garçon. Ouais, on présente souvent comme ça, hein, des lieutenants de Ludger Baerbaum, Henrik von Eckermann, 34 ans et 19e cavalier mondial. Il monte ici un cheval de Monsieur Onichenko, le mécène ukrainien, un étalon qui s'appelle Chakano. Donc là, Charlotte lui a mis la pression parce qu'il va falloir qu'il fasse sans faute absolument. Qu'il fasse aussi bien. Sinon, ouais. On va le coincer ce soir. Hein. Puis surtout, s'il réussit le sans faute, ça mettrait déjà cette équipe-là en tête. Autre équipe, je vais dire, oui. Bien, très bien. Le cheval saute un tout petit peu à droite, mais bon, la précision de Kerman est parfaite pour le moment. Ah, il craignait un peu les verticaux, donc il a privilégié un tout petit peu de garder son cheval. On l'a vu, il a même pratiquement pas monté l'auxerre, pas dire d'aller avec le cheval sur l'auxerre, pour pas avoir le risque d'avoir de perte de contrôle à la réception pour ses verticaux. Là, il va faire 6 foulées. Ouais. 4 points qui vont être chers. J'espère qu'il va finir avec juste ces 4 points. Il reste un auxerre en vertical. Ça passe sur l'auxerre. Attention sur le vertical, puisque vous disiez que c'était plutôt le point faible de ce couple. Donc, ça fait 4 points. Dans le temps, 59-41. Ils sont dans la course. Quoi, hein. Puisque le temps maximum à partir est 62 secondes. Et je dois dire que là, il a perdu un tout petit peu de galop à la bord de ce triple. Et le cheval n'a pas couvert. Quoi. Ceci dit, ça nous fait une égalité parfaite hein, en termes de suspense. Nous, à la rigueur, on préfère que ce soit comme ça. Hein. 4 points pour le moment pour l'équipe Mordasini. Il y aura certainement des équipes sans faute, je pense. 4 points, Michel, pour l'équipe Mordasini von Eckermann. 4 points pour l'équipe Deusser-Renwick. Et 8 points pour le moment pour l'équipe donc du numéro 1 mondial, Simon Delestre, associé à Yannicka Sprunger. On va débuter là avec un autre couple franco-britannique. Avec vraiment le mélange des genres et des générations aussi. Roger Yves Bost d'un côté, associé à la charmante Jessica Mendoza. Elle n'a même pas encore 20 ans et c'est déjà une cavalière peu hors norme. Ah oui, on a vu encore hier la deuxième ou troisième de l'épreuve de vitesse. C'est une cavalière très déterminée. Bon, je crois qu'il n'y a pas le choix aussi. Je dis, c'est la troisième cavalière que je présente déterminée, mais je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut vraiment qu'elle ait envie, la force, la moelle, la niaque et tout pour réussir. Ainsi que les cavaliers, bien sûr. Mais c'est ce qui est exceptionnel quand même en équitation, c'est que l'on voit que des cavalières ont autant, si pas davantage parfois, de tempérament que les cavaliers. Hein. Ah c'est même le seul sport olympique où les hommes et les femmes concourent ensemble. Exactement, oui. C'est parti pour cette cavalière, je vous le disais, 19 ans. Elle monte Sam de Bacon, c'est un cheval français. Oui, comme son nom comme son nom ne l'indique pas. Et cette cavalière qui est anglaise et née dans le sud de l'Angleterre, elle est déjà installée, vous imaginez comme à quel point on est déjà professionnel à cet âge-là, aux Pays-Bas, hein, ah oui, à Eindhoven. Parce que c'est plus facile pour faire des compétitions. Ce cheval vient de l'élevage Couperi, de Bacon. Et la jument que je monte est du même élevage, Tara de Bacon. Ça doit être sa demi-sœur. Très bien ça. Voilà la cavalière qui vraiment donne une impulsion dans la battue de départ, surtout sur les auxerres. On va la voir certainement. Ce tournant est difficile, voilà. À la fin, elle donne un coup de niaque.
Et là, il faut revenir en place pour sauter ce vertical sans faute. C'est impeccable. Ouais, 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 dans le temps, facilement. Cette cavalière est vraiment à tenir à l'œil. Alors quand les chevaux se sentent un petit peu motivés, avec un cavalier motivé comme elle l'est, vraiment prendre des décisions, etc., les chevaux font confiance, bien sûr, si on ne les amène pas dans des erreurs. Et au contraire, plus ça va, plus la confiance monte et plus c'est facile. Quoi. Vous qui suivez Pénélope Le Prévost depuis quasiment toujours aussi, Michel, est-ce que cette cavalière-là, elle a le tempérament, les qualités qu'avait Pénélope au même âge ? Oh, je ne connais pas assez cette cavalière, mais je pense que oui. Je pense que chacun... que vous en voyez, oui, bien oui, sûr. Oui. Mais je pense que chacun est différent, mais cette cavalière-là, elle a un coup d'œil, une rage, une envie. Elle vient, quand elle part sur une épreuve, c'est pas pour être deuxième. Hein. Si c'est une épreuve au chronomètre, elle attaque. Elle a la moelle, elle est capable de monter plusieurs chevaux aussi, parce que vous avez des cavaliers d'un seul cheval ou qui s'entendent avec plusieurs types de chevaux. Elle, j'ai l'impression qu'elle va pouvoir monter tous les chevaux, et c'est une cavalière qui... Voilà, différente de Pénélope, mais qui a vraiment aussi quelque chose de très intéressant. Pénélope Le Prévost, on le rappelle, un cinquième cavalière mondiale. Elle ne participe pas à l'épreuve aujourd'hui, elle ne s'est pas qualifiée pour celle-ci, mais c'est la meilleure cavalière du monde à l'heure actuelle sur la base de ce classement Longines. Allez, c'est parti pour le coéquipier de Jessica Mendoza, c'est Bostik, vous avez reconnu naturellement l'ancien champion d'Europe, le cavalier français. Bostik qui montre record d'Oréal. C'est un Hongre français, 11 ans. Oui, on a du mal un petit peu dans les Auxerres. On voit le ventre du cheval presque sur la deuxième barre de l'Auxerre. Donc toujours, et là, voilà, encore une touche sur la deuxième barre d'Auxerre. Par contre, Bosky s'en occupe sur les verticaux. On voit bien qu'il s'agite un petit peu toujours. Mais c'est sa manière de faire à Bosky. Les chevaux l'aiment bien. Sifoulé aussi ici. Vertical numéro 7. Bien parti pour faire un sans faute. Ouais, ça fera un double sans faute pour cette équipe. Et oui. Le mur. Plus qu'un risque ici. Et ça passe. Il a même repris un petit peu de hausse. Un peu fort. Et voilà. Très bien. Double sans faute. Mais il a pris juste son temps, Bosti. Il est 62 temps. Il est à 60, presque à 61. Lui qui est généralement extrêmement rapide. Oui, mais le cheval n'a pas encore tout le métier. Et je pense qu'il est content d'avoir fait ça. Et voilà l'équipe qui vire en tête pour le moment. Composé de Jessica Mendoza et Roger Yves Bost, le couple franco-anglais pour le moment numéro 1. On voit l'attention que donne Bosti à chaque mouvement qu'il fait, à chaque respiration et ce contrôle qui est excessif parfois, mais bon. Par contre, il y a beaucoup de relâchement. On voit qu'il, bien sûr qu'il s'agite, mais il relâche beaucoup. Il demande, mais il relâche beaucoup aussi. Donc le cheval peut retrouver du confort dans son galop après les réceptions. Cinquième couple, déjà, on en est quasiment à mi-course de ce premier tour du concours Saut Hermès avec Maline Barriard Johnson. Alors là, c'est le mélange d'élégance et déjà d'expérience pour Maline Barriard Johnson qui monte ici son étalon corporal et elle sera associée à un garçon qui ne peut plus rien gagner parce qu'il a déjà tout gagné. Le champion olympique, le champion du monde et le champion d'Europe, c'est le néerlandais Jeroen Dubbeldam. Un cheval qui se défend un tout petit peu là pour le moment. Oui, c'est un nouveau cheval qui est là. Moi, j'aime beaucoup son équitation. Cette fille, elle est fantastique. Elle est légère sur les chevaux. Elle est capable justement, elle, de monter un cheval très fort comme ça, un peu délicat et d'avoir justement aussi encore une fois cette volonté et de s'imposer sur un cheval qui ne paraît pas tout à fait facile. Et toujours cette position magnifique et poursuivre vraiment elle suit les sauts, elle a une position qui est très très agréable tout en étant très efficace. Pas facile, hein. Ça c'est bien fait. Anticipation, préparation, je disais vraiment précision. Super. Alors qu'on a vu le cheval vraiment en désordre au début du parcours, maintenant il devient de plus en plus calme, de plus en plus obéissant, parce qu'elle a réussi à s'imposer, à lui montrer que c'était elle chef et qu'il pouvait lui faire confiance. Voilà, ça c'est magnifique. Autant le début, on sentait la cavalière un petit peu qui voulait s'imposer, le cheval qui voulait faire à sa tête, et finalement c'est pas un combat, mais c'est une question de discussion. Et le cheval a dit ok, je te fais confiance, on va voir. Et là, à la fin, c'était magnifique. Et au final, 4 points de pénalité pour Maline Barriard Johnson pour le moment.
revoir quelques-uns de ces sauts, et notamment... Le cheval est très puissant, on voit ce geste de devant un tout petit peu en retard, comme ça parfois c'est sur ses verticaux. Ouais, la petite faute, c'est le commis sur un vertical intermédiaire. Hein. Oui, dans le milieu du trip. Ouais. Et on va voir maintenant si Yeroun de Beldam, lui, ne peut pas faire d'erreur sur cet obstacle-là, pas sur un obstacle orange quand même, pour le cavalier néerlandais. Double Dame avec Caruso Lassila, un étalon de 14 ans. Rappelons que Yeroun Double Dame, je vous le disais, a été champion olympique en 2000. Déjà, ça fait 16 ans, c'était à Sydney. Puis champion du monde, c'était en France, au nez à la barbe de Patrice Delavaux. Puis champion d'Europe cette année. Il a tout cumulé en termes de titres olympiques, sauf une finale de Coupe du Monde, par exemple. Je crois qu'il cible, c'est incroyable, parce que c'est un cavalier qui ne gagne pas forcément beaucoup de grands prix. C'est pas un cavalier qui est dans le D'ailleurs, il n'est pas super bien classé. Non. Il mène sa petite vie, mais le jour du championnat ou le jour des Jeux Olympiques, il est là et en plus, il gagne. Donc c'est un nouveau cheval. Hier, il a fait un très très beau parcours avec ce cheval-là. Et je crois qu'il est deuxième ou troisième de l'épreuve. Et un cheval un petit peu fort comme ça, avec l'encolure un peu haute, une respiration un peu courte. On entend bien respirer du reste. Hier, il a terminé deuxième, juste derrière Bertram Allen. Voilà, il touche un petit peu les barres, mais bon, ça va. Allez. Toujours sans faute. Le couple est en train de se former, il n'y a pas longtemps qu'il a ce cheval, mais c'est bien parti pour faire des bons résultats. Eh oui, il le confirme, parcours sans faute pour Yeroun Double Dame. Avec ce nouveau cheval, Caruso Lassila. Cheval qui appartient aux écuries de Siem. Hein. De Siem, c'était le nom aussi du cheval qui lui avait permis, de la jument qui lui avait permis d'être champion olympique en 2000. À Sydney. Exactement. Cavalier très froid, très calme. Ouais, il saute les obstacles. Vraiment, on le voyait avec sa chapelle. Et jusqu'au dernier obstacle. Même base, rigoureux, etc. Même rythme. Assez impressionnant dans sa tête. Enfin, le mental compte beaucoup, on sait, hein, dans le sport, mais encore plus en équitation, parce que tellement c'est transmettre ses émotions au cheval, c'est une rapidité. Le cheval est vraiment capte toutes les sensibilités du cavalier. Tant que c'est positif, ça va, mais quand c'est négatif, ça se détériore vite. Donc le cavalier a intérêt à faire un contrôle mental, j'allais dire excessif. Allez, une seule équipe sans faute absolue pour le moment, c'est Mendoza et Bosti. Et on attaque avec la sixième équipe composée de la Finlandaise Anna Julia Kontio, associée à Romain Duguay, le Suisse. C'est parti pour la Finlandaise avec Pacifique des Essarts. Pacifique des Essarts, qui est un ancien cheval de cette cavalière-là. Lui, il a monté ce cheval-là... pendant quelques années, et c'est elle qui a dû le racheter maintenant. Romain Duguay. Romain avait monté ce cheval-là, c'est étonnant, le hasard des choses. Voilà. Et il saute très très bien aussi avec elle. C'est un diamant de Sémilly. Hein. Oui, diamant. Un cheval que montait monsieur très bon cavalier Gautra, cavalier de jeunes chevaux. Il était même le propriétaire de ce cheval. C'est une cavalière efficace, elle a un autre cheval gris qui est très grand aussi, qu'on verra dans le Grand Prix demain. C'est une cavalière vraiment efficace. Et les chevaux ont l'air de lui faire confiance aussi. Et ça se passe bien pour la cavalière finlandaise qui commence à faire petit à petit son trou dans ce milieu. 18 ans, je crois qu'elle a. Oui, elle est encore toute jeune. Ouais. On l'a vu pour la première fois l'an dernier, ici même, Anna Julia Kontio. Position aussi très stable, certainement un mental aussi très fort. Voilà, le regard indépendant. Est-ce qu'elle n'est pas aussi passée par les écuries Stefex? C'est possible, actuellement elle est l'amie de Martin Fuchs, c'est la compagne de Martin Fuchs. Donc elle est en Suisse. Exactement, Anna Julia Kontio, là aussi, un nom à retenir certainement. Elle est associée à Romain Duguay. Alors Romain Duguay, bon, on va le présenter comme étant suisse, hein, naturellement. Il a 35 ans, 31e cavalier mondial, médaillé de bronze par équipe au dernier championnat d'Europe avec cette équipe suisse. Et puis cette année aussi, vainqueur de la Coupe du Monde, de la manche finlandaise justement d'Helsinki. C'est marrant qu'il fasse équipe avec la finlandaise Kontio. Et puis, pour ceux qui étaient déjà avec nous l'an dernier, eh bien, vous vous souvenez qu'il avait remporté ce Grand Prix Hermès. Que l'on suivra demain en direct à partir de 15h30. D'ores et déjà, prenez note et soyez
au rendez-vous en compagnie de Michel Robert. C'est parti pour Romain Duguay, franco-suisse avec 22 des Biches, une jument française. Donc il n'est pas sa premier cheval de Grand Prix, hein, certainement pas, mais qui est une jument qui saute très bien. On le voit ici dans décomposer ses sauts. Pareil, une jument très, très respectueuse, qui a envie de bien faire, qui... Encore peut-être pas tout le métier encore avec lui. Mais ça se passe bien aussi. Un petit peu appuyé sur l'auxerre, remise en place ici. Et le dernier sans problème. 60 dans le temps, parfait, 60-0-0. Ça nous fait Michel un deuxième couple oui, à 0 oui. Sans faute. Hein. Eh oui, il fallait s'y attendre un peu. Hein. Et maintenant, on a vu un petit peu que le chronomètre était large, qu'ils pouvaient prendre leur temps. Donc, on a vu aussi que les fautes, bien sûr, on le savait déjà qu'elles pouvaient se faire dans le trip. Puisque observe, vertical, ça peut donner des fautes, surtout dans l'obstacle du milieu de la combinaison. Ouais, ça fait en tous les cas de moins en moins. Qui accompagne son saut beaucoup, qui regarde loin. De fautes, Romain Duguay a été parfait. Sans faute, et il place cette équipe à égalité avec celle de Jessica Mendoza et de Roger Yves Bost. Une équipe belgo-britannique maintenant, avec une cavalière belge, c'est Gudrun Pathete. Elle monte Seacoast Furly, c'est une jument belge. Et il y aura aux côtés de Gudrun eh bien, l'ex numéro 1 mondial, Scott Brash, deuxième cavalier mondial qui a été numéro 1 mondial pendant plus de deux ans. Chose et ça, c'est rare, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Cavalière aussi qui prend de l'expérience de plus en plus car elle a une écurie de chevaux vraiment très forte maintenant. Vous m'enlevez voilà. De la bouche, mais malheureusement sur cette combinaison elle est en difficulté, elle fait tomber 2 barres, 8 points rien que sur le triple. Oui. Ok. Il faut remarquer pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup, c'est vraiment suivre le saut qu'on voit, on va le voir tout à l'heure avec Scott Brash, le cavalier qui est d'une fixité incroyable dans sa jambe, qui a ses mains très très basses. Et plus on se rapproche du centre de gravité du cheval, moins on bouge, plus le cheval est heureux de sauter et bien sûr, moins on le gêne bien sûr. Donc, mais par contre c'est difficile à la fois de suivre ce mouvement parce que les chevaux en donnant un coup de dos, ce qu'on appelle pendant le saut souvent, emmène les cavaliers en avant et après à la réception, il faut tout de suite à sa place. Donc faire jouer ses articulations, de ses jambes, de la cheville, du genou et de la hanche. On voit tout ce travail de récupération à la réception. Là, elle pique un peu du nez. Alors que, bon, on verra Scott Brash, ça ne lui arrivera pas du tout. Ouais, ce sera un autre style, naturellement, voilà. Pour le cavalier écossais. Il est là, Scott Brash. 30 ans à peine et déjà champion olympique et champion d'Europe par équipe, mais également vainqueur des plus grands. Et des plus prestigieux grands prix, hein. Oui, celui d'Aix-la-Chapelle, celui de Calgary. Les deux l'année dernière. Et Genève, il a fait le triplé, exactement. Ça, c'était un score. Alors, bien sûr qu'il est en train d'essayer de refaire une écurie un peu plus. Une nouvelle écurie, un peu, parce que ses chevaux vieillissent un peu et il devrait protéger. Donc, là, c'est des nouveaux chevaux aussi et qu'il met en route. Et du coup, ça lui a coûté aussi un petit peu de points dans la course. Ah là là, ranking list, c'est parti pour Scott Brash, il est associé aujourd'hui ici à Hello Forever. La fixité du cavalier par rapport au cheval, il est toujours au-dessus du centre de gravité, avec ses mains très près du garrot, assez basses comme ça. Le bas de jambe très fixe, le pied qui ne bouge pratiquement pas, son pied au niveau de la sangle en permanence. Jamais il n'avance trop, jamais il recule beaucoup. Les mains, c'est un peu Marcus Henning aussi, non ? Oui, plus on se rapproche du centre de gravité du cheval... Là, il remonte derrière. Vous avez la vitesse à laquelle il se remet en ordre derrière l'obstacle, la réception. On l'a vu par rapport à la cavalière précédente. C'est pas le même niveau hein, non plus. Non, mais bon, il faut savoir ce qu'il faut travailler pour les cavaliers qui ont besoin de... Là, une petite touche un peu chanceuse. Et il continue à accompagner, même si la distance est un peu courte. Quand la distance arrive un peu près de l'obstacle, il continue vraiment à galoper avec son cheval. Il ne se bloque pas du tout, donc c'est magnifique. Parce que le cheval est certainement très difficile. Avec qui a-t-il travaillé Scott Brash pour avoir ce niveau technique? Non, je crois que déjà, naturellement, il a une tête formidable, il a un mental formidable. Et puis, c'est l'équitation anglaise un peu. On voit un petit peu de l'influence de Michael Whittaker. Je crois qu'il était un peu avec Billy Thomé à un moment donné. Et donc, il a...
Mais bon, il a fait sa propre équitation. Je pense qu'il réfléchit beaucoup, il regarde beaucoup, il analyse beaucoup. Et il en fait la synthèse. Et puis, bon, on a toujours vu un cavalier qui a vraiment, dans sa tête, envie de réussir. Très, très froid, bien sûr. Très bon contact avec son cheval. Mais ceci dit, l'équipe est du numéro 1 et du numéro 2 mondiaux, les deux premiers cavaliers de la ranking list, c'est-à-dire De Lestre d'une part et à l'instant Scott Brash, sont un petit peu en difficulté avec 8 points maintenant. Bon, 8 points qui ont été pris c'est par les collaboratrices qui a pas été exactement par les cavalières assez performantes. Yannick Cashponger d'une part et Gudrun Pathé de l'autre. Lucy Davis qui a une équitation qui vraiment s'améliore chaque année, chaque fois, toujours en progrès. Cavalière américaine, elle oui. Monte ici Baron. C'est son très très bon cheval, on a vu faire des choses exceptionnelles avec ce cheval-là. C'est un cheval belge par Fort Pleasure, l'ancien cheval de Marco Senning justement dont on parlait à l'instant. Qualité de saut incroyable, c'est un cheval qui saute vraiment, bien sûr des moyens exceptionnels pour faire tous les gros grands prix. Ce qui rassure sa cavalière, est-ce qu'il, pour une épreuve comme ça, bon, il peut peut-être arriver une petite faute, mais c'est un cheval qui a vraiment un tempérament de gagneur et d'envie de collaborer beaucoup. Il s'est retrouvé très court. Hein. Ouais, il touchait des antérieurs. Il s'est retrouvé très court, très très court dans la deuxième partie. Et c'est pour ça que c'est assez rare cette combinaison pour le remarquer. C'est qu'en général, on met soit dans une combinaison de rapprocher trois obstacles, soit une foulée, deux foulées, soit deux foulées, une foulée. Mais ici, il a mis deux foulées et deux foulées. Donc, c'est assez, surtout pour deux verticaux. Ensuite. Petite pas. Singularité. Pourquoi pas. Et on n'a pas dit, mais Lucy Davis est la coéquipière aujourd'hui sur cette épreuve de Kevin Stout. Eh oui, donc Kevin va prendre 4 points. Et... Ah, ça, c'est un tout petit peu dommage pour le cavalier français. Aussi, il y a une deuxième manche, ça peut bousculer. S'ils font sans faute à la deuxième manche, et puis voilà, les autres qui étaient sans faute font une faute. Peut-être attrapé dans la deuxième manche. Voilà vraiment le cheval qui presque a hésité à décoller en une foulée. Hein. On ne sera pas du tout dans une version Coupe des Nations. Hein. On n'aura pas deux manches qui sont identiques. La deuxième n'aura rien à voir avec la première. Oui. Plus courte, voilà, plus il y aura sept obstacles plus dynamique dans une combinaison. Oui. Avec le chrono pour départager. Plutôt style barrage. Exactement. Plutôt une deuxième manche, style barrage pour les connaisseurs. Ouais. On va se régaler. On va se régaler ce soir. Sous le Grand Palais, en compagnie de Michel Robert, on suit la première des deux journées que l'on consacre, bien sûr, à ce grand événement, le saut Hermès. Kevin Stout, aujourd'hui, fait une équipe avec l'Américaine Lucy Davis. Elle vient de s'élancer et de réussir 4 points, de récolter 4 points à l'issue de son parcours. C'est parti pour Kevin, avec Elki Vanut Indiehoff. C'est un cheval belge aussi, c'est une jument. Ça, c'est les noms belges, c'est pas toujours facile. On pourrait plus s'appeler... Tornado, c'est mon parcours qui me permet de savoir. D'accord, dites une fois. Non, ça vous pouvez pas dire. Pas de moquerie, jamais. Non. Allez. Kevin, qui a gagné une épreuve tout à l'heure d'une façon magnifique avec 2 ou 3 secondes d'avance sur le deuxième. Ça veut dire qu'il est bien aussi bien en forme, dans sa tête. Bordeaux, gagnant du Grand Prix de Bordeaux, enfin vraiment. Qualifié naturellement pour la finale de la Coupe du Monde aussi la semaine prochaine. Avec toujours beaucoup d'énergie dans ses parcours, beaucoup de vitesse. Même si le parcours n'est pas au chronomètre, Kevin est souvent le plus rapide. Il prend des décisions. Ses chevaux sont habitués à ce rythme-là. Et même, c'est une belle équitation parce que les chevaux forcent beaucoup moins, du coup. Mais ils doivent être et très regardez, attentifs. Voilà, il a fait le boulot. Oui, c'est le patron, il est là, Kevin Stout, sans faute. Et ça va remettre aussi un petit peu en route l'équipe qu'il forme avec Lucy Davis. Il n'aura qu'une petite barre de retard sur les deux couples co-leaders actuels. Je vous rappelle, Mendoza Bost et Contio Duguay. Il reste encore 2 équipes à venir, 2 couples. Il décale un tout petit peu à gauche. Et Kevin le ramène chaque fois un tout petit peu au milieu. Irène très courte. Les deux sont décidés. Hein. Cheval et cavalier. On voit le travail de la jambe, du genou et de la flexion de la cheville là aux réceptions. Et ça, c'est vraiment important de faire travailler ça pour amortir le choc un petit peu dans les réceptions. C'est toujours aussi du grand travail hein, de la part de Kevin Stout. Le couple suivant, composé d'Edwina Tops Alexander. La voilà, elle ne fera pas équipe avec son mari, hein, Jan Tops, mais bien avec l'ancien adversaire de son mari, Ludger Berbaum, l'Allemand.
couple d'expérience, 20e cavalière mondiale pour Edwina, 14e pour Ludger Berbaum, et à eux deux quasiment le siècle. Elle monte un cheval belge encore, décidément que de chevaux belges ici avec Vigo, enfin c'est un fils de Vigo d'Arsouille qui s'appelle Ego Van Orty. C'est un cheval qu'on a vu beaucoup monter par elle à une époque. Elle l'a redonné ensuite à un cavalier Zorzi, cavalier italien qui travaille pour elle. Et là, elle le remonte à nouveau. Ouais, et ça se passe pas bien sur le troisième obstacle. C'est pas son type de cheval, je le dis un petit peu chaque fois. Et tous les verticaux, et c'est un tout petit peu difficile parce qu'elle lui tient fort la tête, comme on dit. Et le cheval descend un petit peu ses genoux. Mais c'est sa méthode à elle. Par contre, c'est un cheval qui a de très gros moyens. Qui peut sauter vraiment des grosses épreuves, vraiment très en confiance. Mais on sent que c'est pas l'harmonie totale. C'est dommage, hein, elle va regretter cette erreur sur le troisième obstacle. Oui, oui, oui. Parce que pour le reste, elle n'a pas touché grand chose. 4 points pour Edwina Tops Alexander. La cavalière australienne installée aux Pays-Bas. De longue date avec Ludger, bien sûr, oui. Que voici. Ah oui, c'est une bonne faute quand même. Hein. Ouais. Alors, entre une petite faute et une grosse faute, c'est le même prix. Hein. Oui, c'est pareil. Même sanction, 4 tant points. Qu'à faire, autant faire. Une bonne sur une, et comme ça, on n'en fait plus ailleurs. Non, mais on sait que les barres, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, les barres, elles sont assez légères finalement, et puis elles sont sur des fiches. Cuillères, on appelle ça des fiches qui les tiennent, qui sont pratiquement plates, donc à peine on le touche, la barre roule ouais. Très facilement. Donc ça demande encore plus de précision, encore plus d'attention de la part des chevaux. Justement respecter ces obstacles-là pour finir à être sans faute. Et Ludger qui a relâché un tout petit peu sa manière de faire avec ses nouveaux chevaux qui sont très légers, il laisse beaucoup plus ses chevaux en liberté. Celui-ci s'appelle Colestus, c'est un fils de Cornetto Bolenski. Très bonne origine, des chevaux beaucoup de qualité, très attentifs, avec un style merveilleux. Berbaum, on le rappelle, lui aussi, il a tout gagné sauf le titre de champion du monde individuel. Oui, c'est exact. Et il rentre dans le trip avec un bon galop. Je pense qu'il va pouvoir faire confiance sur les verticaux. C'est ce qu'il fait. Il laisse carrément le cheval tranquille. Berbaum anticipe beaucoup. Hein. Il prépare beaucoup. On voit déjà à peine dans les réceptions. Il est déjà en train de penser à l'obstacle suivant. Quoi. On va voir ici, tac. Tout est en préparé. Essaye de sauter parfaitement au milieu, tous les obstacles aussi, ça c'est une qualité. Ces choses traversent dans les tournants comme ici, mais à la fin ils sautent au milieu. Ils traversent, c'est-à-dire que le cheval ne continue pas dans son tournant, il ne reste pas sur la courbe, il anticipe un peu, ses chevaux anticipent les tournants un petit peu, ça a toujours été son truc. Ses chevaux ont toujours fait ça un peu, mais par contre sa rigueur de sauter au milieu des obstacles, et c'est une force, c'est une qualité, et je pense qu'il y a beaucoup de chevaux qui font des fautes parfois parce qu'ils ne sont pas parfaitement au milieu des obstacles. Première barre et deuxième barre, ces chevaux ne se dévient pas du tout ni à gauche ni à droite. Et là, en tous les cas, il vient de réussir le parcours sans faute de Ludger Berbaum. Il peut souffler. L'embouchure très très légère aussi. Cheval qui donne son encolure pendant le saut. Voilà. On est déjà presque, regardez comme c'est joli, on est déjà presque au bout de cette première manche. Il ne reste plus qu'un couple, un duo, celui composé de l'Espagnol Pilar Lucrecia Cordon associé à Bertram Allen, le tout jeune cavalier, la nouvelle star de l'équitation, 20 ans, un Irlandais magique, vous allez le voir dans un instant. Avant ça, je vous rappelle qu'il y a toujours deux couples qui sont parvenus à réussir le double sans faute, avec notamment Roger Yves Bost associé à Jessica Mendoza et avec également Romain Duguet associé à Anna Julia Contio. C'est parti pour la cavalière espagnole. Elle monte ici Gribouille d'Ulysse, une autre jument belge. Pilar qui est une cavalière qui monte pour Hermès aussi. Donc ici, elle doit faire bien. Ah, voilà, là on voit par exemple, Ludger n'a pas fait une faute comme ça. Il serait mis complètement au milieu de l'obstacle. Elle est venue, le cheval a anticipé le tournant, elle a continué dans l'anticipation du tournant à gauche et le cheval a fait une faute. Donc ça c'est clair que si on veut éviter cette faute là, et je me permettrai de lui dire, c'est qu'il doit sauter vraiment au milieu et au moins dans les deux dernières foulées, que le cheval soit bien sur ses quatre pieds. Ça paraît évident comme ça, c'est pas toujours facile à faire bien sûr. Là elle le fait bien, elle aurait fait un tournant le même,
Sauce verticale, elle répond. Oh, oh, Georgette, ça c'est rare. On a cru qu'elle allait s'arrêter. Hein. Ben, le cheval, elle a demandé une foulée longue et le cheval n'a pas compris. Il est revenu retaper. Un peu de désordre. La jument est tout petit peu, un petit peu fraîche comme ça et un peu nerveuse. Ouais. Alors ça, c'est un score important. Ouais, 8 points. Ça va faire mal. Ça va compter lourd pour Bertram Allen. Oui, je crois que la victoire ne va pas être dans cette équipe-là. On revoit ce qui s'est passé, hein. La compréhension. Là, voilà, oui, oui. Hop là. Mais vraiment, alors là, si on voit, par exemple, le cheval était... Bon, on ne peut pas le revoir, mais si on le revoyait, le cheval était dans à quatre foulées, il regardait que le public et pas du tout l'obstacle. La cavalière le gardait sur son côté gauche. Et voilà. Non, c'est... Si, c'est lui-là, voilà. Oui. On a vu, voilà, trois foulées avant. Et le cheval était la tête à gauche, regardait à gauche. Il a découvert l'obstacle pratiquement dans la... Il l'avait vu, mais il n'était pas sûr de sauter dans une foulée avant. Quoi. C'est aussi souvent la difficulté des concours indoor, bien avec, sûr. Avec des chevaux qui sont C'est le chef de piste qui fait ça, il met des obstacles en travers dans les coins, etc. Justement pour, très près du public. Ben oui, très près du public, pour donner de la difficulté et non pas sur la hauteur. Allez, maintenant c'est Bertram Allen qui doit absolument réussir le sans faute, hein, sinon c'est ça va être terminé des espoirs. Il a gagné une épreuve hier fantastique, à une vitesse incroyable. Ce gamin n'a que 20 ans, on le rappelle. Et il fait déjà partie du top 10 mondial. Ah oui, une équitation, beaucoup de feeling, une position un petit peu assis en arrière comme ça. Ça gigote un peu de partout, mais un feeling, une compréhension. Et pareil, j'allais pas dire comparé à Bosti, mais il laisse aussi beaucoup de liberté malgré tout à ses chevaux. C'est-à-dire qu'il est bien efficace ici, mais après il va le laisser tranquille dans le saut et pendant quelques foulées. Comparable en tous les cas dans l'énergie. Voilà, hein, oui, et puis met en selle. Il bouge beaucoup. On voit ses mains bougent, sa jambe recule, enfin, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Mais bon, c'est très instinctif quand même. Très instinctif, ah, ouais. Oui. Par contre, c'est naturel, quoi. Je veux dire, on sent qu'il n'a pas travaillé sa position classique, etc., pour avoir bien. Et donc, il est suffisamment malin pour compenser avec le reste, comme Bosti, quoi. Et Bertram Allen réussit le parcours sans faute, lui, ce qui permet de plus ou moins niveler un petit peu la contre-performance de Pilar Lucrecia Cordon juste avant. Ça fait 8 points au total pour ce couple-là, qui était le 10e et dernier à s'élancer sous la verrière du Grand Palais. On va regarder le classement provisoire à l'issue de cette première manche, avec donc deux couples doubles sans faute, ouais. Contio Duguay et Mendoza Bosti. À 4 points, on a Davis Toth, Renwick Deusser et Mordazini Eckermann, Von Eckermann, pardon. D'accord. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, donc là, on a tout, ça reste ouvert, à part aux équipes qui ont fait 8 points. Jusqu'à la 7e équipe, peuvent rentrer dans les 3 premiers. Hein. Oui, on a donc 5 équipes, hein. 5 équipes à 4 points et on en a 3 à 8 points. C'est vrai que tout peut encore arriver finalement. Hein. Pour les trois équipes de 8 points, je crois que c'est un peu ça un va peu être grillé. Ah ouais. Ouais, c'est un peu grillé. Allez, peut-être aller chercher un accessit pour un des meilleurs cavaliers de la planète, points. Simon Delestre ou Scott Brash, on verra. C'est étonnant d'ailleurs, hein, de voir que les équipes avec Delestre, Brash et Bertram Allen sont un petit peu en difficulté. Oui, une courte pause et on se retrouve dans un instant, Michel. Tu veux mon casque ? Oui, Damien, je t'entends. Oui, oui. Non, ça va comme ça, j'ai... Michel me tient chaud, ça va. Je coupe le vent. Bon, ça va ? Très bien, très bien. Ça redémarre à quelle heure, là ?
Ah bah là on revient nous hein, dès que la pub est finie dans une minute. Ah oui mais on va rien avoir en image. Hein. Ah bah voilà c'est. Et on n'a même pas de cavalier, ils veulent même pas venir. Je vais m'interviewer sur les. Sur rien. Bah ils sont pas là surtout. Nous sommes de retour en direct au Grand Palais en compagnie de Michel Robert. Nous venons de vivre la première des deux manches de cette compétition. Mix, on vous le rappelle, en couple, avec pour le moment deux couples qui se partagent la tête. On vous rappelle que Jessica Mendoza, associée à Roger Yves Bost, et que Anna Giulia Contio, la Finlandaise, associée à Romain Duguay, le Suisse, eh bien, ont réalisé ce score parfait. En revanche, un peu plus en difficulté, Pilar Lucrecia Cordon, qui a ramené 8 points à l'équipe avec Bertram Allen. Gudrun Patet, idem, deux fautes et ça pénalise naturellement son coéquipier Scott Brash. Et la même sanction pour Yannick Sprunger, qui enlève déjà, d'après Michel Robert en tous les cas, tout espoir de victoire à Simon Delestre, le numéro 1 mondial, le cavalier lorrain, qui étreigne cette place de numéro 1 mondial ici devant le public parisien, devant le public français. Ça doit être un vrai honneur pour lui, qui est ambassadeur aussi d'ailleurs de la marque Hermès. Hein. Oui, tout à fait. Les autres couples sont des couples à 4 points, Michel. Oui. Sauf les deux premiers dont je vous parlais. Alors, est-ce qu'il faut remarquer, malgré tout, c'était des cavalières qui ont fait des fautes. Hein. Moi, je ne voudrais pas. Est-ce que c'est... non, j'ai passé. Je pense qu'elles vont se rattraper maintenant. Mais c'est vrai que c'est comme ça, ça s'est trouvé comme ça. Mais en général, c'est elles qui le font. Vous êtes même doublement bien placé pour dire ce sont essentiellement les cavalières qui ont fait les fautes, sauf ma cavalière, Charlotte Mordasini. Exactement. Qui elle, a été sans faute. Voilà. Suivez mon regard. Et qui du coup permet à l'équipe qu'elle compose avec Eric Von Eckermann d'être toujours. Et lui, il a fait 4 points. D'être toujours placé pour la gagne, pourquoi pas. Regardez. Ah, voilà le parcours. Le parcours de cette deuxième manche. Parcours raccourci donc, et le chrono va départager les meilleurs. Alors on démarre sur l'Auxerre bleu, un vertical jaune qui était devant la porte. Ensuite, un vertical bleu et blanc. L'Auxerre, ah non, on va faire demi-tour sur l'Auxerre jaune, qui va être le c'était le triple, hein. Il va passer en double maintenant. Là, je pense qu'il va y avoir option pour revenir sur le vertical jaune. Ici, on va certainement pas suivre le tracé ici. Ça va tourner à l'intérieur, l'Auxerre jaune en bout de ligne ici. À main droite, l'Auxerre bleu qui était l'avant-dernier et qui sera le dernier cette fois-ci. Donc on va risquer d'avoir un beau tournant devant le numéro 2 du barrage. Sur le tracé, comme on vient de voir, le tracé passé à l'extérieur, mais là je pense que tous les cavaliers vont passer à l'intérieur, mais il y aura un demi-tour très intéressant à voir pour venir, là on voit ici à l'image, les cavaliers vont passer entre les deux jaunes pour revenir passer le jaune de gauche en venant vers nous. Donc ça peut être intéressant. La combinaison va se retrouver très courte, ces deux foulées-là, surtout avec la vitesse des chevaux. On est parti en pub apparemment, mais toi tu entends les décomptes ou pas du tout? Non. Bah, de toute façon, c'est rien du tout, non. Bah, si tu me fais comme ça, c'est quand tu... Ouais. Quand tu veux me couper, tu me coupes. Frank Rotenberger. Jawohl. Oui, Bertrand.
Elle est plus d'accord, petite, et ici, personne... attends, Oui. D'accord. Attends, je fais descendre quelqu'un qui va peut-être... je ne suis pas certain du tout qu'elle pourra faire quoi que ce soit. On voit. Michel, j'entends, oui. Est-ce que tu connais alors attends, je cherche. Jeune cavalier français. Schumacher. Non. Concours complet. Ah, non. 18 ans, vice-champion d'Europe. Victor Lévesque. Non, ça me... Tu ne connais pas. Non. Bon, il a à peine 16 ans, il est vice-champion d'Europe espoir, non, junior, individuel et par équipe. Avec l'équipe de France. Julien est là et je crois qu'il est cavalier Hermès aussi. Donc d'accord. Il va peut-être nous rejoindre. Je ne sais pas si c'est par partie. D'accord. On fait 2 minutes avec lui, voire une. Nous sommes de retour en direct sur Eurosport avec des cavaliers regardés qui pour le moment restent attentifs naturellement parce que dans un instant eh bien, ce sera le début de la deuxième manche. Michel, Robert qui est avec nous. Michel, pas de reconnaissance hein, pour cette deuxième manche. Non, parce que c'est les mêmes obstacles au premier tour. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont partis, qui sont retournés au garage, je vais dire. Et donc il ne reste plus que les obstacles du barrage. Et donc on a un terrain qui n'est pas nu, mais qui est de très très clair maintenant. Et donc, on va pouvoir galoper. Les cavaliers vont pouvoir choisir leur courbe beaucoup plus facilement. Tourner très court, tourner plus large. Si je tourne très court, je devais pouvoir arriver sur une bonne distance, c'est-à-dire pouvoir placer la battue de départ de mon cheval à la bonne distance. Contrôler ces tournants, puisqu'on va avoir beaucoup de courbes ici, dans ce barrage. Et contrôler la vitesse. Bien sûr que ça va être l'équipe la plus rapide et qui aura fait sans faute qui va gagner. L'ordre de passage, c'est l'ordre inverse du passage. Oui, et on va donc commencer avec l'équipe qui est la moins bien classée. Qui avait 8 points. Ce sera donc avec l'équipe de Yannicka Sprunger. Non, pardon. Non, on sera pas. Avec celle de Pilar Lucrecia Gordon. Voilà. Gordon, pardon. Et juste avant ça, moi je voulais donner la parole un tout petit instant à un tout jeune garçon, mais dont on reparlera peut-être prochainement. Il s'appelle Victor Lévesque et il est vice-champion d'Europe individuel et par équipe, je crois, de concours complet. C'est bien ça, Victor ? Bonjour tout le monde, c'est bien ça en effet. Bonjour, merci de nous rejoindre pour quelques instants avant que l'on entame cette deuxième manche. Moi, je voulais simplement un peu que vous soyez là en même temps que Michel Robert, parce que vous savez que c'est peut-être une de vos idoles, mais Michel Robert, il a un parcours qui est très légèrement commun. Lui aussi, il a d'abord brillé en concours complet avant de se tourner vers le saut d'obstacle. Champion de France, concours complet, les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques aussi, surtout, ouais, voilà. Ouais. Quelques concours, ouais. Mais bon, c'était hier. Hein. C'était presque hier, exactement. Ouais. Alors, en 2 minutes, hein, parce que là, on est déjà reparti sur la suite. Victor, comment ça s'est passé, ces championnats d'Europe, et quelle est la suite maintenant du programme? C'est des championnats d'Europe junior, on le rappelle. Voilà, donc j'étais un junior, ça s'est passé magnifiquement bien. Toute l'équipe était présente et les objectifs pour la suite, c'est les championnats d'Europe jeunes cavaliers. Et je suis également ambassadeur de la génération 2024 pour Paris, la candidature. Donc voilà, ça reste un objectif important. Vous avez 16 ans, on le rappelle, c'est ça ? 17 ans. 17 ans, pardon, et vous êtes ambassadeur maintenant de la candidature de Paris 2024. Parce que vous, en 2024, on compte a priori beaucoup sur vous dans ces équipes de France. C'est un rêve et un objectif. Alors, seulement concours complet ou bien vous pourriez dévier vous aussi vers le CSO ? Pour l'instant, je suis très concentré concours complet. Après, voilà, les cavaliers très performants de concours complet, maintenant, ils sont très bons aussi à l'obstacle. Donc, ils doivent. Ouais, c'est une obligation. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme Michael Young qui est le meilleur. Voilà, c'est un rêve. Si j'ai l'opportunité d'avoir des chevaux et de pouvoir monter en CSO, voilà, j'aimerais bien. Ah Michel, quand on est déjà les deux pieds dedans comme ça à 17 ans, mais côté concours complet, est-ce que c'est encore, enfin, c'est possible ou est-ce que ça peut
être un objectif aussi de dévier sur le CSO. Ah oui, oui, je pense qu'il faut laisser, la porte ouverte, hein, de toute façon. Et c'est vrai que le concours complet maintenant est beaucoup plus proche du saut d'obstacle que ça l'était les années précédentes. Donc là, il a tout intérêt à faire un peu de saut d'obstacle et voir après lui si ce qui t'intéresse le mieux, ce que tu as envie de faire, et c'est développer tes qualités et continuer ta passion passionnément et prendre du plaisir à cheval. Je crois que c'est vraiment ce qui est très très important, et c'est de faire ce qu'on a envie à fond et puis d'y aller, c'est ce qu'il est en train de faire, et bravo. Ouais. Mais pour le moment, donc, c'est vraiment concours complet. On sait que la France a une belle tradition aussi dans le concours complet, avec pas mal de très très bons résultats, ah, hein, oui, notamment les Jeux Olympiques. On compte aussi la famille sur Touzin, bien sûr, dans bien un passé sûr. Récent. Oh là là, il y a un parcours en ce moment qui se déroule. Là, ben, on va déjà vous remercier, Victor. Merci beaucoup. On va vous laisser parce que, regardez, c'est reparti rapidement pour cette deuxième manche, ce deuxième tour. On voit les tournants très très courts de Bertrand Allen, justement à l'entrée, qui a pris tous les risques à l'entrée du double et qui tourne très très vite aux réceptions, dû à son équilibre, à son feeling, bien sûr. Les 4 points. Donc ça leur fera pour l'équipe maintenant un total de 12 points, puisqu'ils avaient 8 points à la première manche. Et Pilar qui a fait un beau parcours sans faute, sans perte de temps. Elle était en 43 secondes, je crois. Voilà, 8 points plus 4. Donc, ça fait un total de 12. Points. Alors là, il n'y a plus de... C'est effectivement bien difficile maintenant. Voilà, rapidité du cheval. Regardez ce tournant, il tourne très très court. Le cheval est très engagé, malgré tout. Une petite faute antérieure sur ce première barre d'obstacle. Gudrun Allez, Pathet. Deuxième équipe avec Gudrun Pathet maintenant. On le rappelle, Gudrun, elle est associée à Scott Brasch, l'ancien numéro 1 mondial. C'est parti pour la cavalière belge. Il y a 8 points déjà de pénalité, oui, pour ces deux formations. Elle avait fait deux fautes, les deux premiers du trip tout à l'heure. Et voilà qu'elle rentre maintenant dans le double, qui sont les mêmes obstacles. Voilà. Par contre, le cheval corrige beaucoup la faute. Les deux, vraiment bien sauté là. Il y a un tournant très court. Il reste une foulée pour aller sauter cette verticale-là. Évidemment, plus on tourne loin, bah, plus c'est facile, mais le chronomètre, il est là. Hein. La sortie de tournant, carrément à travers celui-ci, et sans problème, c'est beaucoup plus facile, beaucoup mieux qu'au premier tour, donc elle va être contente, je crois, de son barrage. Elle s'en veut peut-être son premier tour, mais bon, c'est le sport. Voilà, en tous les cas, pour Gudrun Pathet, un petit peu plus difficile cette mise en route, mais on va voir maintenant si Scott Brasch peut bien l'aider pour essayer de retrouver un accessite intéressant, enfin en tous les cas un classement le plus intéressant, le plus honorable possible. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir les cavaliers qui jouent le jeu de cette épreuve, même en passant, ils savent qu'ils n'ont pas de chance de gagner, mais ils jouent le jeu quand même de l'épreuve, et ça c'est passionnant, c'est vraiment l'esprit de compétition, et cette épreuve là est particulière, c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup de ces épreuves mixtes, mais c'est sympathique. Scott Brasch, c'est parti. Ah, lui, il est parti, ça y est. Ouais, oula. Ça va vite, évidemment. Voilà. Et puis, on trouve c'est toujours un intérêt, même ces cavaliers trouvent encore un intérêt pour leurs bien chevaux, sûr. Pour leur apprendre à tourner, des choses, pour exactement. Leur apprendre à tourner court, pour leur donner confiance, pour faire des certaines choses. Dire, tiens, mon tournant à droite, il faut que je le travaille cette semaine parce que je l'ai loupé dans mon barrage, ou mon cheval s'est amélioré, ou même la confiance. Un tournant comme ça, on cache l'obstacle au cheval, et puis dans la battue de départ, il le découvre. Donc il faut que le cheval vraiment soit prêt à sauter à tout moment. Saute un petit peu au ralenti. On l'a vu ralentir. D'habitude, Scott Brasch met un coup de punch dans la battue de départ sur les auxerres. Et là, il l'a laissé un tout petit peu tout seul. Et ça fait 4 points. Ça coûte 4 ouais. points à l'ancien numéro 1 mondial, Scott Brasch. Cavalier écossais, hein. Britannique. Et du coup, l'équipe Pathet-Brasch termine avec 12 points. Eux aussi. Ouais, de pénalité. Donc ils remontent. Ils améliorent de 4 points, mais bon, c'est pas. Voilà, la préparation avec le regard du cavalier. Ouais, bonne faute. Hein. Antérieure, postérieure. Hein. Déjà manque complètement la faute de trajectoire, le cheval qui n'a pas couvert, mais lui-même ne l'avait pas sollicité, n'a pas vraiment demandé. Et c'était le cheval de le faire lui-même. Il ne l'a pas fait. Troisième couple. Yannicka. Celui de la Baloise, Yannicka Sprunger avec Simon Delestre. C'est parti pour Yannicka.
vois qu'il y a un tout petit peu de geste de devant un petit peu bas comme ça, mais bon, il reste quand même respectueux. La tournante est très intéressante parce qu'on va voir là, là elle est tournée 1, 2 foulées loin derrière. On voit des cavaliers qui ne tournent même pas, ils ne laissent pas une foulée en ligne droite pour aller le ressauter après. Et ça passe pour Yannicka, cette fois-ci ça va mieux hein, que dans le premier tour. Oui. Ça peut permettre au couple franco-suisse de gagner quelques places dans cette deuxième manche. Il faut maintenant que Simon soit lui aussi à la hauteur. Qu'il ne soit pas du coup un petit peu pas déstabilisé, mais. Non, je crois qu'à la hauteur il va l'être, hein, il n'y a pas de problème, Simon il l'est. Par contre, c'est vrai qu'il va, je pense, peut-être pas mettre les détournants très très courts pour rester un petit peu dans le même score au niveau des points et pas prendre de risques. Simon Delestre avec Chezal Zimquest, on le rappelle. De toute façon, c'est un cheval qui a besoin d'avoir un peu de train, un peu d'action, un peu de rythme pour aller sauter. Mais c'est plutôt dans les tournants, peut-être il ne va pas prendre tous les risques. Voilà, on voit ici qu'il prend pas son temps, mais qu'il a élargi un peu son tournant. Deux foulées pour entrer dans double. Et il tourne assez court quand même. Au niveau du temps, qu'est-ce que ça va donner? Ah, il continue, il joue le jeu. Ouais, il y va. Oui, bien. Sous le regard de Philippe Gardin, oui. Qui était à fond derrière Simon, c'est qu'il s'en occupe. Secondes, c'est bien, oui. Donc on va additionner les temps, enfin les points des deux manches, et puis c'est simplement le temps des deux cavaliers de la deuxième manche qui vont départager les cavaliers. Et bien voilà, Yannicka Sprunger et Simon Delestre pour le moment s'emparent de la première place provisoire à l'issue de ce deuxième tour. Devant. Avec un total de temps, je sais pas. 8 points, oui, j'ai pas noté également le chrono. 79-89 nous signale Damien Guérinel. Merci Damien. Le total des deux. Hein. C'est parti pour Marvin aussi. Quatrième couple. Bien, le cheval est bien libéré. Hein. On l'a vu tout à l'heure en début de parcours, il était un petit peu inquiet et tout. Là, par contre, on a l'impression que d'avancer comme ça, ça lui plaît bien. Maintenant, c'est le contrôle. Le contrôle qu'il va falloir avoir. Bonne frappe, bon postérieur. On voit le cheval qui dégage ses postérieurs, qui en rajoute même un peu. Bravo, ça c'est très bien. Continue à galoper un petit peu. Bonne distance. Le cheval saute vraiment bien, mieux qu'au premier tour. Oui, tout à fait. Dernier Auxerre. Oui, ce sera le sans faute pour Barriard. 41-49. Oui, les deux secondes plus lentes que Simon, mais bon, c'est un bon score quand même. Ce qui compte pour elle aussi et pour Yeroud Doubledame, son coéquipier, son partenaire d'un jour aujourd'hui, c'est d'être naturellement sans faute pour conserver ce total de 4 points seulement et pouvoir espérer monter peut-être sur le podium. Ah, c'est un joli saut. Hein. On voit la réception du cavalier, justement. Enfin, le cheval qui. Faut que le cheval puisse reprendre son équilibre après avoir. Parce que hein, c'est une masse, 550-600 kg. Un cheval qui se reçoit comme ça, en deux foulées, qu'il faut qu'il rééquilibre tout son poids vers l'arrière. Cette force d'inertie qui arrive là. Et puis, pareil pour le cavalier. Donc, si le cavalier est léger, bien sûr, et s'il a une très bonne position, c'est beaucoup plus facile pour le cavalier de se remettre en place. Et si c'était Yeroun Doubledame et qu'il n'avait pas une bonne position, vous voyez, c'est un sacré castard. Hein, c'est un grand gabarit. Pas loin du 1m90, Yeroun Doubledame. Il travaille sa position. Hein. En tout cas, oui. C'est obligé. Ça. C'est grâce à ça qu'il a le palmarès qu'il a. Exceptionnel cavalier qui essaie maintenant de rentrer lui aussi au paddock sans faute. Tournant très court, ça c'est difficile pour entrer dans une combinaison aussi courte que ça. Voilà. Ouais, mais il a gagné une ou deux foulées. Ah oui. Là ici, recalme. Garde son cheval bien sur ses postérieurs, la propulsion. Oui, il avance, c'est propre. Hein. Ouais, c'est vraiment de la grande école aussi. C'est magnifique, hein. Ça. Ouais. Il a attendu que son cheval ait fini de sauter pour tourner. Il est tourné un peu plus loin que les autres, mais il a assez vite. Allez, 38 secondes 52, ça a été très vite. Très vite.
Et c'est un 4 points maintenant qui va être intéressant aussi en moins de 80 secondes cumulées. 80-0-1. 80 secondes et 1 centième en temps cumulé pour Jeroen Dubbeldam, champion olympique, champion du monde et champion d'Europe, on le rappelle, individuel. Allez, bonne gymnastique de saut. Hein. Très beau tournant ici. Bien au milieu de l'obstacle, bien sûr. Et le couple avec Malik Barillard. On écarte la main pour ramener le cheval. Voilà. Le couple Barillard-Dubbeldam qui s'empare donc de la première place provisoire, je vous le rappelle. Edwina Tops, l'Australienne, avec Ludger Berbaum. 4 points aussi pour le couple au premier tour. Je rappelle que cette épreuve est une épreuve mixte, par équipe, un homme, une femme. La femme passe devant. Commence. C'est logique. Ah oui, ladies first. Exactement. Je ne pense pas qu'elle va descendre le chronomètre dans dessous de 39, je ne sais pas, on va voir. Avec son ego Van Orti. Elle fait plus. Elle prend un peu son temps, on le voit. Elle est assez loin ici. Je cherche le sans faute. Aïe, 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 même faute que tout à l'heure. Hein. Tu vois ce geste de devant avec cette encolure qui se remonte, évidemment. Ça veut dire que Dubbeldam, Barillard vont rester en tête, tout seul, oui, pour le moment. Pour le moment, oui. Et vu le rythme, ça veut même peut-être dire que l'équipe de l'Estre-Sprunger gagnera une place. Ouais, ils parce sont que... plus vite. Oui, oui, bien sûr, parce que regardez là, 44 secondes. Sprunger est plus vite, de l'Est sont plus bien vite sûr. Que Dubbeldam, non ? Oui, plus vite, mais ils ont 4 points de plus. Oui. Mais en revanche, là, avec 44 secondes, c'est déjà impossible maintenant pour Ludger Berbaum de permettre à ce couple de rester deuxième provisoire. Alors, on voit bien le chat qui donne un coup de tête. Au moment où il donne son coup de tête, il descend les antérieurs. Il donne un coup de tête vers le haut. C'est mécanique. Ah, c'est quasiment mécanique. C'est-à-dire que si on laisse l'encolure du cheval, on l'a vu avec le cheval de Berbaum au ralenti tout à l'heure, le cheval se sert, Ludger laisse son cheval se servir de son encolure, on l'a vu très bien au ralenti, le cheval tend son bout du nez en l'air et Ludger le laisse faire. Et à ce moment-là, on a une technique de le cheval monte ses genoux, une technique devant qui est parfaite, qui est jolie à voir. Mais si on remonte beaucoup trop la tête, le cheval descend les antérieurs. C'est mécanique pratiquement, oui. Allez, c'est parti pour Ludger Berbaum. Alors, on va dire qu'il sert beaucoup de son encolure, par exemple. Et du coup, ça lui permet d'avoir un geste de devant, de monter ses genoux presque à la hauteur de ses ganaches pendant qu'il saute. Ouais. Lui, du coup, il fait un parcours tranquille aussi. Hein. Il donne un parcours de travail, il se met en face des obstacles. Oh. Et malgré ça, vous voyez, ouais. Parfois, justement, quand on n'est pas oui, très attentif au voilà, chrono, voilà, là, à mon avis, Ludger, on se démobilise un peu. Complètement, manque de motivation, il n'est pas aussi attentif. Est-ce qu'il en profite pour donner un travail à son cheval, laisser un petit peu seul comme il l'a fait aussi. Scotch Brash l'a fait sur ce même Auxerre tout à l'heure. Un petit peu de réussite hein, parce que ça avait bien tapé avec les postérieurs. Oui, oui, mais voilà, il demande au cheval. En fait, on appelle ça un parcours de travail. Vu qu'on n'est plus dans le coup, on laisse le cheval un tout petit peu plus libre. Et puis s'il veut faire une faute, bah, peut-être qu'il la corrigera. Ouais, mais là, ce couple-là bascule out. Bien loin. Avec ses 12 points de pénalité maintenant. Voilà, il y a eu un tout petit peu de désaccord ici avec son cheval avant le trip. Du coup, il a sauté celui-là, mais il l'a payé à la sortie. Et là, décalage à gauche, c'est rare chez Ludger. Le cheval s'est décalé à gauche. Ouf, il était limite s'écraser. Il reste encore 3 couples à 4 points, puis les deux derniers couples, naturellement, double sans faute. Ah oui, oui, là, ça va chauffer à la fin. Hein. Ouais, oui. Et pour le moment, Barillard Johnson et Dubbeldam sont en tête, on vous le rappelle. Allez, Charlotte. Charlotte Mordasini, on le rappelle. Elle est française et suédoise. Franco-suédoise. Même si elle monte maintenant pour la Suède, mais enfin. Elle réside davantage ici, puisque c'est vous qui vous en occupez. Bah oui, elle joue le jeu, elle avance.
Je la tourne bien, assez court, elle prend le risque. Ah, dommage. Un peu trop elle a effleuré, hein, vraiment. Un peu trop le risque. Elle joue le jeu, elle essaye. Elle a raison, déjà du panache. Hein. Petite touchette. Un rappel alors, mais ce n'est pas tombé. Reste deux auxerres. Ça se passe bien. Oui, oui. Oui, très en place, le cheval saute bien. Et un chrono ah, tout à fait correct, 41 secondes. Un peu, pour... un peu de risque, un peu de surprise, le cheval à 9 ans et encore pas toute l'expérience. Mais bon, c'est deux beaux parcours quand même, je suis assez content. Voilà, et puis on découvre cette cavalière, on découvre ce visage. Oui. Charlotte oui, Mordasini. Toute petite faute ici, sortie de tournant à droite. Ouais. À travailler. Ça y est, vous connaissez déjà le contenu de la prochaine leçon, voilà, c'est ça ? Voilà, exactement, exactement. Pourquoi ? On va revoir les vidéos, on va retravailler là-dessus, et puis voilà. En tous les cas, c'est un parcours qui tient la route. C'est bien d'essayer justement d'aller, parce que de toute façon, pour gagner, il faut aller vite maintenant. Et puis les organisateurs du saut Hermès doivent déjà être ravis, satisfaits de l'avoir invité. Henrik von Eckermann, son comparse d'aujourd'hui. Ouf, il est parti, un cheval un peu raide comme ça, qui va avoir du mal à tourner court, mais bon... Et ça saute haut. Oui, on voit le saut qu'en deux temps, comme ça un petit peu, ça manque d'harmonie un peu dans le saut, mais c'est le cheval, c'est son style, chacun est différent. C'est un étalon qui s'appelle Chacano. Eh oui, on le retrouve ici, c'est manque de souplesse complètement, le cheval on sent, il est un peu raide comme ça. Mais sortie de tournant auxerre, quand on vient très court, c'est difficile bien sûr, sortie de tournant vertical, on arrive toujours à négocier le... Et en plus, Auxerre, entrée de combinaison, ben voilà que. Je rappelle qu'Auxerre, c'est quand il y a deux barres. Hein. C'est un obstacle large. Hein. 4 points, il n'a pas fait mieux que Charlotte. Von Eckermann. On ne peut pas être jaloux. Voilà, exactement. Et ça fait un total de 12 points, 82 secondes en temps cumulé. Ça va les et ce sera loin. La quatrième place. Ouais, quatrième ouais. Place, malheureusement, il recule un petit peu au classement, le couple suédois. Qui laisse toujours une autre Suédoise d'ailleurs, Malin Barrière-Johnson, associée à Jeroen Dubbeldam, en première position, le seul couple qui est parvenu à ne commettre qu'une seule petite faute sur 2 tours. Donc sur 4 parcours en l'occurrence. Oui. On se rapproche du dénouement. Il reste 4 couples à venir encore. Avec Laura Renwick, associée à Daniel Deusser. Vite, c'est pas un problème. C'est pas vite, c'est très vite. Très vite et facile. Facilement vite, j'allais. Voilà, elle continue à pousser dès la réception dans les tournants. Et là, on la voit à la réception, elle commence par pousser, puis après, on dit on verra bien. Donc, chaque réception, elle accélère. Elle commence par accélérer, là. Et après, on verra. Elle avance. Et après, on remet en ordre. Ici, elle avance. Elle pousse. Et après, elle remet en ordre. Chacun a sa technique. Il y a d'autres qui attendent un petit peu d'avoir leur distance pour pouvoir avancer. Elle commence par avancer et ensuite. Impeccable. Impeccable en tous les cas. Ce parcours réussi par Laura Renwick une nouvelle fois. Nouveau sans faute, comme dans la première manche pour elle. 38-69. Hein. Ouais. C'est un des meilleurs temps. 38 secondes et 69 centièmes. On vous rappelle que ce temps sera additionné au temps. Réussi par son coéquipier Daniel Deusser. Qui aura du mal à rentrer à cette vitesse-là, lui, par contre. Oui, déjà tout à l'heure, il avait en plus commis une faute. Hein. Oui, il n'y a pas que les femmes qui ont fait des fautes. Hein. Non, non. Non, non. Il y avait Daniel Deusser aussi. Et puis en deuxième manche, il y a eu même Scott Brash et Ludger Berbaum aussi. Ainsi qu'Henrik von Eckermann. Moins de 41 secondes et 32 centièmes, nous dit notre ordinateur de bord, Damien Guérinel, pour passer en première position. On va suivre le parcours de Daniel Deusser. 41, il peut peut-être faire 41. Ouais, mais 38 comme Laura, difficilement. Les virages sont courts, très courts aussi ce virage. Touche, ouais, un petit risque ici avec une bonne touche. Ouais. Il a bien fait d'être audacieux. Tourne très court. Dernier virage et un auxerre. Accélération. Pour le moment, c'est la première place qui est en jeu et qu'il va aller chercher. Si, 38, la première fois provisoire.
Et oui, il a quand même pris des virages extrêmement courts. Hein. Et finalement, il va aussi vite, voire même 4 dixièmes plus vite que Laura Renwick. C'est dans les tournants que ça joue, un petit peu dans les tournants, et il a tourné très très court. Et voilà le nouveau couple vedette, Laura Renwick associée à Daniel Deusser pour le moment, qui viennent de s'emparer de la première place. Est-ce que l'association formée par Lucy Davis l'américaine et Kevin Stout le français va leur permettre de les détrôner, de les déloger de cette première position? Oui, je pense. Michel Robert mise une petite pièce dessus. Moi je pense que c'est possible. Alors Kevin tout à l'heure a été sans faute, Lucy Davis l'américaine a commis une petite barre. Ouais. C'est parti pour l'américaine. Avec Baron. Toujours très joli à voir ces parcours. Ces jeunes cavaliers qui prennent un métier fantastique. Voilà, c'est là qu'il avait fait la faute. Tout à l'heure, à la sortie du triple, bon, ils ont enlevé le dernier obstacle, donc il n'y a pas de souci. Comme tout le monde. Et puis du rythme aussi. Elle avance sur le dernier. Ce chrono, il est bon, hein. Il est bon pas aussi. Mal, et sans mal. Faute, 38-87 aussi. Dans les temps, dans les bons temps. Hein. Alors là, ça va de nouveau permettre ou obliger Kevin Stout, lui aussi, à tourner en 38 toutes petites secondes à peine. Hein. Un peu moins de oui. En 38 et ça passe. Mais il ne faut pas plus. 38-04, c'est encore bon, me semble-t-il. On va voir. Soit 38 et puis sans faute, et puis sans faute. C'est possible. Les autres cavaliers qui sont attentifs. Oui, bien sûr, vous avez reconnu Bertram Allen. On a vu aussi Thomas Fuchs qui est un petit peu plus loin, qui est venu Marcus. Voir sa compagne. Pas Marcus, Martin Fuchs. Martin, oui, pourquoi j'ai dit Thomas, moi? Oui. Eh oui, c'est, je parle du papa, donc du neveu, de l'oncle, famille, enfin voilà. C'est la même famille, c'est cool, là, il est très très vite, Kevin. Ouais, il n'a pas le choix. Il a mangé en ce moment. Mais... oh, il tourne très court, il est prêt, il est... ça passe. Il a tourné court tout en écartant un petit peu, lui. Oui, à la fin, il a fait, oui, parce qu'il était dans l'embarras un peu ici aussi, parce qu'il tourne encore trop, pas trop court, mais très court. Oh, il est remonté, très, et ça va vite. 32, ouais. Quand même. Non, en chrono c'est bon. C'est en bon. Chrono oui. 37, il descend d'une seconde. Incroyable. Le parcours de Kevin Stout, ouais. 37 secondes et 35 centièmes, ça permet au couple franco-américain de s'emparer de la première place. Et le grand palais qui vibre, comme nous. Donc il nous fait un total de 4 points avec un 60. 76-22. 76, 4 points, 76-22. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir maintenant. Oui. C'est la nouvelle référence. Parce que les sans faute peuvent faire une faute. Hein. Maintenant, comme ils ont fait un temps très très court tous les deux, là, ils mettent un peu de pression aux autres. Hein. Ah, quel parcours! Quel parcours magnifique, de Kevin. Hein. Kevin, il a pris beaucoup de risques. Et encore, ça ne se présentait pas toujours bien dans ses abords. Chaque fois, il était presque obligé d'écarter, de revenir. Ouais, mais c'est la grande classe aussi. Hein. Oui. Jessica Mendoza. Elle est partie. Elle a un nom colombien, mais elle est pourtant bien anglaise. Même pas 20 ans. Même pas 20 ans, cette cavalière. Comme quoi, l'équitation, hein, on fait ça pendant 50 ans, finalement, au plus haut niveau. Oui, même plus, pour certains. Vous n'aviez pas annoncé la fin de votre carrière, vous, il y a quelques années, Michel? De la première. Ah là-bas, la première carrière. C'était avant, ça. Mais non, ça, c'était avant. Charles Aznavour, il m'a... Exactement. Ouais. Eddie Mitchell, ils sont nombreux comme ça. Ça, c'est assez vite aussi. Un tout petit peu moins vite que Kevin, peut-être. Oui. Beaucoup moins vite que Kevin, en tout cas. Mais c'est sans faute. Elle a assuré le sans faute. 41. Ah, ça va être un petit peu difficile maintenant pour Bosti. Quoique. Avec Bosti, tout est possible. Sauf qu'ici, c'est quand même... un cheval qu'il connaît un peu moins bien, ou en tous les cas avec lequel il a peut-être moins de repères. Avec très rapide. Il faut s'attendre à tout. Hein. Avec là, la Bosti, fusée. Ah oui, Bosti, il faut s'attendre à tout. Il ne faut jamais pronostiquer. Alors là, on ne peut jamais dire. Sinon, on se trompe.
qui peut faire ça ou le contraire. Allez, les nouveaux leaders en tous les cas. Cheveux dans le vent. Lucy Davis et Kevin Stout. Alors que Jessica Mendoza, elle compte maintenant sur la vélocité de Roger Yves Bost. Il se fait désirer. Et ça y est, le public parisien, il acclame son Seine-et-Marnais préféré. Le cavalier de Barbizon. Est-ce qu'il peint autant que l'on peint à Barbizon ? Bosti, vous qui le connaissez bien. Je ne pense pas. Non. Je pense pas. C'est pas sa passion peut-être première. Peut-être qu'il va repeindre les barres des obstacles. Mais ça se limite à ça. Ça se limitera à ça pour lui, pour l'instant. Mais peut-être que quand il sera là. Et c'est peut-être mieux. Bon, écoute, oui. Hein. On ne connaît pas ses talents, mais c'est peut-être pas, mieux. On ne peut pas être doué pour tout non plus. Hein. Nous, ça nous va très bien qu'il soit déjà doué pour ce qu'il fait. Ah, je crois qu'il y a un petit problème à l'entrée du trip, là. Oui, voilà. Ils sont en train de changer les barres. Voilà. On lui redonne le départ. Voilà. Un petit coup de propreté sur la barre. C'est parti pour Bosti. Il redonne le départ. C'est parti. Ça sonne. 45 secondes pour partir. Il est parti. Il est en train de couper la ligne de départ. Stop. Bosti associé à Record d'Oréal. Oui. Il avance. Grande foulée. Toujours des distances un peu longues. Bosti aime bien placer ses chevaux un peu loin des verticaux. Allez, là, il s'écarte. Hein. Loin. Ouais. Il ne va pas pouvoir gagner avec ce tracé-là. Aïe, faute. Terminé. Non, le cheval n'a encore pas toute l'expérience. Il a donné beaucoup au premier tour aussi. Il a bien joué le jeu. Essayez de prendre quand même un tout petit peu de vitesse sur le dernier. 43 secondes, mais c'était assez lent. Hein. Ouais. Je pense qu'il savait en pénétrant qu'il n'allait pas demander tous les efforts à Record d'Oréal. Enfin, tous les risques en tous les cas. Sentir au paddock, c'était pas la pleine forme et tout. Donc il nous reste. Il nous reste plus que les deux couples les deux maintenant équipes. Qui sont sans faute. C'est très intéressant. Là. Et bien sûr, les deux couples totalement sans faute. Donc s'ils restent sans faute, ils restent dans les deux premiers couples. S'ils font des fautes, il va falloir qu'ils soient moins de 60-70, monsieur le Belge. Exact. Exactement, attendez. 70 là, voilà, 76-22 à battre maintenant. Voilà. Donc c'est 4 points, 76-22 à battre. Et on a deux. Non, mais je vous ai dit qu'il restait deux couples, il n'en reste plus qu'un seul, puisque c'est le tout dernier couple à s'élancer maintenant. C'est alors, celui qui a réussi le double sans faute aussi. Comme, alors c'est ça qui va être intéressant, savoir s'ils vont, eux, jouer le sans faute, pas chercher le chronomètre, ou s'ils jouent quand même le chronomètre. Bon, c'est donc Anna Julia Contio, la Finlandaise, associée à Romain Duguet, le Suisse, des Français. Deux stratégies possibles. Là, soit ils assurent, effectivement, voilà. Et si tout se passe bien, tant mieux pour eux. Faute, parce que sans faute, tranquille. Ils seront les premiers ils à ce niveau-là. Ils font 4 points, mais ils se retrouvent loin. Et en revanche, effectivement, s'ils partent sur ce rythme un petit peu tranquille pour éviter les grosses prises de risque, mais que ça tombe néanmoins, voilà. Eh bien là, et je pense que ils seront battus. Aujourd'hui, la compétition est telle qu'il faut aller vite quand même. On va voir si c'est ce que se dit Anna Julia Contio, elle monte pacifique des essais. En tout cas, actuellement, elle serait en tête si eux, ils échouent. L'équipe Kevin Stout. De Kevin Stout. Oui, les Kevin et Lucy Davis. Lucy Davis. S'imposeraient, ce serait la deuxième victoire de la journée pour Kevin Stout. On n'en est pas là, et ce serait la deuxième victoire aussi pour Kevin, je crois, dans cette épreuve par équipe. Une épreuve qu'il avait déjà remportée avec Pénélope. Avec Pénélope, tout à fait. Qui est venu ici avec un cheval, donc il n'a pas pu participer à cette épreuve-là. On la retrouvera demain, Nice Stéphanie. Dans le Grand Prix. Écoute, là, elle ne va pas très vite, à mon avis. Non, là, elle assure plutôt le sans-faute. Oui. Jusque-là, c'est bien. Ah oui, oui là, parce là. Qu'il s'était déjà arrivé. La chrono. Donc, c'est la stratégie du parcours sans-faute, en tout cas pour elle. Jusque-là, c'est passé. Il ne faudra pas que ça tombe suspense maintenant pour Romain Duguet. Voilà, Romain Duguet a lourd sur les épaules. Hein. Oui, parce que si lui, maintenant, commet la moindre erreur, il ne pourra pas rattraper le chrono. Le temps perdu par Anna Julia Contio, ce sera impossible. Pas possible. Donc Romain, si t'es sans faute, tu gagnes. Si t'es 4 points. Et on sait que Romain Duguet, il apprécie le Grand Palais. L'an dernier, il s'est imposé dans le Grand Prix. C'est un endroit qu'il aime bien. Cavalier Hermès en plus. Tous les atouts sont réunis du coup. Maintenant, le cheval aussi, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Je ne sais pas si on lui a dit. Est-ce qu'il était là l'an dernier d'ailleurs, 22 des biches? Non, je pense pas. Non, je crois pas. Non. C'est un tout jeune cheval de 9 ans qui
qui vient de prendre 9 ans. Là, il faut vraiment attendre le dernier parcours pour savoir qui est-ce qui va gagner cette épreuve, Kevin ou Romain. Et ben voilà, et c'est puis avec leur collaboratrice aussi. Ouais, c'est maintenant que ça se joue entre l'équipe de Romain Duguay et l'équipe de Kevin Staudt pour le moment. Kevin Staudt en tête. Bien. La jument saute très bien, une jument très respectueuse. Je pense que ça peut faire. Ouais, elle vit. Là, Romain Duguay est parti à un rythme, hein, on le rappelle, où il ne vise que le sans faute. Oui. S'il est sans faute, ce sera suffisant. J'ai vu le haut, il y a un poil dont ça passe. Très bien. Jusqu'au bout, effectivement. Gros suspense au Grand Palais aujourd'hui. Le vertical est passé. Je pense que là. Oh, elle secoue les oreilles. Non, ça passe. Regardez comme elle secoue la tête, comme ça. C'est très désagréable parce que le cheval. La personne, attention, et voilà, c'est passé, c'est eux qui gagnent. Ça passe quand même, le doigt levé. Romain Duguay, le cavalier suisse, associé donc à Anna Julia Contio, remporte l'épreuve mixte du saut Hermès aujourd'hui. Applaudissements. Kevin Staudt aussi, deuxième avec Lucie Davis. Donc. Ah, il est content. Très bien, très bien. Romain Duguay. La bonne stratégie. C'est effectivement, après coup, on peut le dire, la bonne stratégie. C'est toujours facile, après, de le dire. Ça permet à cette formation, comment dit-on, finno-suisse, de s'imposer face au couple franco-américain, Kevin Staudt, Lucie Davis, qui va quand même prendre une belle deuxième place. C'est jamais aussi bien que la première, mais ça reste une très belle position. Et puis, la troisième... On fait une faute qui compte, hein, la faute compte cher. Et la troisième place pour cette tout petite dixième seulement, eh bien, ce sera pour le couple Renwick-Deusser. On revoit la joie de Romain Duguay. Voilà. Qui du coup sera lui aussi à tenir à l'œil demain à l'occasion du Grand Prix que l'on vivra. À 15h30, ce sera en direct sur Eurosport 2 également. Michel, et naturellement, vous serez des nôtres. D'ores et déjà, et en attendant la cérémonie de remise des prix, je vous rappelle que dans quelques minutes, vous aurez l'occasion de suivre sur Eurosport le tournoi qualificatif de handball féminin. Tournoi qualificatif, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. La France joue aujourd'hui sa qualification pour Rio. Hier, les Françaises ont été battues par les Pays-Bas. Aujourd'hui, elles jouent les Tunisiennes. Et il faut absolument que les Françaises s'imposent. Dans la ville de Simon de Lestre, d'ailleurs, à Metz, on espère que ça va le faire. Hein. Et Christophe Bureau, Géraldine Weber notamment, seront aux commentaires pour cette rencontre, pour le tournoi qualificatif olympique du handball féminin. Allez, le classement, on vous rappelle la victoire de Contio et Duguay, la deuxième place de Lucie Davis et de Kevin Staudt, la troisième de Laura Renwick et Daniel Deusser. Maline Barrière-Johnson associée à Yeroun Doubledam termine 4e. Jessica Mendoza et Roger Yves Bost 5e. Simon Delestre, justement, dont on parlait, et Yannick Ashpronger prennent la 6e place. On va d'ailleurs peut-être laisser le soin à Sylvain Barrault d'aller recueillir les premières impressions de Romain Duguay et d'Anna Julia Contio. 5-4. Hello, ladies and gentlemen. I'm alongside the new winner couple of this saut Hermès, Romain Duguay and Anna Julia Contio. Romain, last winner of the Grand Prix. Romain, dernier vainqueur du Grand Prix, c'est vraiment un endroit qui vous va bien. Oui, c'est vrai que c'est génial de faire ça ici. J'ai un très bon feeling. J'aime cet endroit. Je suis très heureux de ce résultat. Grande sensation aussi d'être ici, je suppose. Ouais, c'est vraiment génial. J'adore monter ici. Et mon cheval a été tout simplement parfait, comme mon coéquipier d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été compliqué aujourd'hui pour vous? Nice course, not as always big enough, not crazy, but that's give lot of down. C'était un parcours difficile, pas dingue, mais. Today I think you need horses with lot of quality. Il fallait des chevaux avec beaucoup de qualité aujourd'hui. Il y a eu un suspense jusqu'au bout. On ne savait pas jusqu'au dernier parcours qui allait s'imposer. Oui, bien sûr, ça rend nerveux. Mais nous, on a pris le risque de partir lentement et d'assurer le parcours sans faute. Et on a eu la satisfaction de réussir ça. Good luck for tomorrow, both of you. Voilà, bonne chance pour demain. Et on espère faire le même boulot demain, nous disait naturellement Romain Duguay. Thank you very much.
Voilà, deux visages aussi de cavaliers un petit peu moins connus encore à l'heure actuelle, mais on ne tardera pas hein, à en parler très souvent. Victoire aujourd'hui, on le rappelle, dans cette épreuve mixte, d'Anna Yulia Kontio et de Romain Duguay. Bon, mais c'est bien. Pub. Bah oui, c'est bien, jusqu'au bout, c'était, ouais. C'était chaud. On garde les manteaux, hein. Oh là, ferme cette porte, là-bas. Tu crois que c'est que ça? Je pense qu'ils n'ont pas mis du double vitrage, c'est surtout ça. Ils ont oublié, en 1900, ils l'ont pas mis. À mon avis, depuis, ils l'ont changé quand même, hein. Oh, certainement, ah oui, ouais. Parce que ça n'avait pas été recouvert à un moment de... On va voir si de zinc, ce que se dit Anna Yulia Kontio, elle monte pacifique des essais. En tout cas, actuellement, elle serait en tête si eux ils échouent. L'équipe Kevin Stott. De Kevin Stott. Oui, oui, les Kevin et Lucy Davis. Lucy Davis s'imposerait. Ce serait la deuxième victoire de la journée pour Kevin Stott. On n'en est pas là. Et ce serait la deuxième victoire aussi pour Kevin, je crois, dans cette épreuve par équipe. Une épreuve qu'il avait déjà remportée avec Pénélope. Avec Pénélope, hein. Tout à fait. Qui est venu ici avec un cheval, donc il n'a pas pu participer à cette épreuve-là. On la retrouvera demain, Stéphanie. Dans le Grand Prix. Écoute, là, elle ne va pas très vite, à mon avis. Non, là, elle assure plutôt le sans-faute. Oui. Jusque-là, c'est bien. Ah oui, oui, parce qu'il s'était déjà arrivé. La chrono. Donc, c'est la stratégie du parcours sans-faute, en tout cas pour elle. Jusque-là, c'est passé. Il ne faudra pas que ça tombe suspense maintenant pour Romain Duguay. Voilà, Romain, collaboratrice aussi. Ouais, c'est maintenant que ça se joue entre l'équipe de Romain Duguay et l'équipe de Kevin Stott pour le moment. Kevin Stott en tête. Bien. La jument saute très bien, une jument très respectueuse. Je pense que ça peut faire. Ouais, elle vit. Là, Romain Duguay est parti à un rythme, hein, on le rappelle, où il ne vise que le sans faute. Oui. S'il est sans faute, ça sera suffisant. Nous sommes de retour dans ce merveilleux Grand Palais parisien où il y a quelques instants, eh bien, on le rappelle, Yeroun, non pas du tout Yeroun de Bolham, non, on nous a fait une petite farce là. Ça c'était le résultat peut-être d'une épreuve qu'il y a eu tout à l'heure. Voilà, ça c'est mieux. Anna Yulia Kontio, la Finlandaise, et Romain Duguay, le cavalier suisse, ont remporté cette épreuve mixte du saut Hermès. Ils se sont imposés devant Kevin Stott, associé à Lucy Davis, et enfin... Laura Renwick et Daniel Deusser, eux, ont pris la troisième place. Voilà les trois couples donc qui vont monter sur le podium dans un instant. Ou un podium tout virtuel. Hein. Ah bah Michel, en tous les cas, on a vibré jusqu'au bout. Hein. On a du suspense jusqu'au dernier parcours. Oui, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'était une bonne édition de cette épreuve par couple. On a finalement, c'est très bien passé. On voit ces jeunes cavalières aussi qui sont là, qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on va revoir à haut niveau. On voit ces cavaliers d'expérience aussi qui sont là, comme Ludger, Kevin, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et ces cavaliers aussi, ces cavalières-là, elles ont vraiment un potentiel. On voit qu'elles ne se dégonflent pas, elles en veulent jusqu'au bout. On vous rappelle, demain, ce sera le Grand Prix Hermès, l'épreuve reine naturellement de ce week-end ici à Paris, avec ce rendez-vous à noter à 15h30, le Grand Prix Hermès en direct sur Eurosport 2. Vous aurez eu l'occasion d'ailleurs de débuter votre journée avec un petit peu de ski pour se mettre en jambe. Hein. Ce sera du ski alpin du côté de Saint-Moritz. Le géant féminin, vous savez aujourd'hui que Michel, que l'équipe de France a réussi un triplé dans le géant masculin. Demain, ce sera... le géant féminin, on leur souhaite autant de succès, ce ne sera pas facile. C'est un sport extraordinaire, j'adore regarder ça, j'adore. Je trouve que ça moi j'apprends beaucoup en regardant ce...
sport, de cette façon d'anticiper, d'équilibre, de flexion, de tout. C'est très proche aussi de, enfin très proche. Il y a, oui, dans la trajectoire, il y a naturellement des points communs dans tous les sports. Hein. Ça, ce sera à 9h30 demain matin. On écoute l'hymne finlandais pour saluer la victoire de Kontio. Les Finlandais, ils sont bons aussi en ski. Hein. Souvent. Ouais, plus en nordique, peut-être. Plus en nordique. Bon, il me semble. En tout cas, elle est bien bien. Hein. Elle a fait des progrès. Elle, en plus, elle a deux chevaux qui sont compétitifs. On va la revoir demain dans le Grand Prix avec son grand cheval presque blanc. Et elle fait du sacré job. Hein. J'aime bien. Anna Julia Kontio. Voilà pour Anna Julia Kontio. Toute jeune cavalière, on le rappelle encore. Grâce à son étalon Pacifique des Essarts et à son coéquipier Romain Duguay, ici, eh bien, a remporté la victoire. Pour Romain, l'hymne suisse. Et deux hymnes, bien sûr. Romain, qui était aussi français, lui, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a passé nationalité suisse. La fuite des talents. Eh oui. Bon, du coup, pour se venger, la France a pris un entraîneur suisse. Belge. Philippe Garda, non, il est suisse. Hein. Et il est suisse, oui. Bah, oui, c'est oui, pas oui, Philippe Garda. Non, il était en Belgique. Il, avait, oui, oui. Il était entraîneur en il Belgique. Était l'entraîneur on l'a de l'équipe au Belge. On l'a piqué au Belge. Mais il est bien suisse. Très sérieux, hein, Romain. Très très sérieux. Concentré pour demain, peut-être. Ah, c'est un moment toujours solennel, hein, oui, un hymne oui. National. Madame Pascal Bussard, directeur artistique. La remise des cadeaux Hermès. Directeur artistique de Hermès. Pour les remettre donc au vainqueur, les trophées des Ferlands noirs. Et Pacifique, un joli cheval, un beau diamant de Sémilly aussi, et qui est un très très bon cheval. Et il saute, il se régale à sauter avec cette fille, vraiment vraiment bien. Hermès qui fait bien les choses ici, à fond, vraiment très à l'image évidemment de la maison, mais toujours avec cette volonté de faire un cours plus beau. Les responsables de la maison. Ouais. Il fallait bien récompenser, gâter les deux vainqueurs du concours aujourd'hui. Demain, on ne pensera plus par équipe, hein, ce sera vraiment individuel oui, pour le Grand Prix. Rare, oui, c'est vrai, il y a les Coupes des Nations. Bien sûr, et puis tous les grands championnats avec le par équipe. Oui. Mais ça reste aussi un sport individuel. Sport individuel qui se pratique à deux. Voilà, c'est déjà compliqué. Et voilà. C'est déjà compliqué, il faut avoir le cheval, il faut avoir un cheval qui va bien, bien entraîné, en forme, etc. Donc là, on a des. Quand on arrive à ce haut niveau vraiment de compétition et que ça se passe bien, on est vraiment récompensé de beaucoup, beaucoup d'efforts. Aussi, j'allais dire, les propriétaires des chevaux qui font des efforts pour garder leurs chevaux, ils aiment ça, bien sûr, ils sont contents, mais ça demande aussi beaucoup de soins aussi pour les grooms qui sont là, aux écuries, qui s'occupent des chevaux. Des sorties, des bichons, d'avoir des chevaux aussi près des Champs-Élysées aussi, c'est assez étonnant. Les spectateurs sont étonnés de passez, voir les dots. Hein, si vous êtes proche de Paris, passez encore jusqu'à demain soir pour ne fût-ce que voir ces installations, voir ces chevaux qui sortent de leur box, qui sont à l'extérieur le long des champs et qui viennent jusqu'au Grand Palais. Par contre, je crois que c'est plein, hein, les tribunes. Oui, oui. Malheureusement, pour avoir des places, oui, ça, ce sera plus possible. Il faudra vite retourner chez vous pour regarder le programme sur Eurosport 2, voilà, demain à partir de 15h30. Ou alors sur le player, vous savez, ça vous permet d'être à moitié dans les Champs-Élysées, puis sur votre téléphone, sur votre tablette, et bien vous regardez les chaînes d'Eurosport.
Ça aussi, ça existe. Daniel Deusser, très souriant. Troisième. Cavalier allemand qui avait commencé sa carrière aux Pays-Bas, dans les écuries d'Yann Tops. Kevin satisfait, hein. Il est en forme, il a gagné une épreuve, il termine deuxième de l'autre aujourd'hui. Oui, je crois que c'est une bonne journée pour lui. Ouais. Et demain, il sera, à n'en pas douter, à placer parmi les favoris du Grand Prix du saut Hermès. Le tour d'honneur pour Romain Duguay et Anna Yulia Comtio. Vainqueur aujourd'hui de l'épreuve mixte du saut Hermès. Allez, le Grand Palais s'emballe. Ça, c'est le bon moment. Et ovationne effectivement les vainqueurs. Bon, même les chevaux sont contents quand on fait le tour d'honneur, ils prennent un galop, ils sont heureux, ils le sentent, hein. Les chevaux ressentent ça beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'ils ont bien travaillé globalement. Qu'ils ont bien travaillé, qu'ils sont applaudis, ils ressentent ça vraiment. Et bien voilà, on va se quitter là, merci d'avoir été des nôtres, merci à Michel Robert que l'on retrouvera naturellement demain à partir de 15h30 pour le Grand Prix. Dans un instant, je vous le rappelle, restez fidèles à Eurosport 2, c'est le tournoi qualificatif de Olympique de handball féminin avec le match de l'équipe de France face à la Tunisie. C'est la dernière chance pour les Françaises. À demain, 15h30. Merci Michel Robert. Merci à demain.